Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ne bouge pas, hein? Arrêtez, tu verras. Et dossier, s'il vous plaît. Arrêtez, non, maman, il ne bouge pas, il pas. Tu, tu ne bouge pas. Tu ne verras rien. Je, avec je, vais je vais te frapper, non, maman. Laisse-moi finir avec lui. Et je finis avec lui aujourd'hui. Ah. Ah. Hey. Hey. Maman, maman, et dossier, arrêtez, maman, maman, Edosier maman, maman. Maman, tu vas euh, bien? Maman? 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 Mmh. Mmh. Maman, désolé. Vous mmh. n'avez pas honte de vous? Maman, es C'est quoi pas. votre problème? Vous vous mettez toujours maman. et à tout moment comme si vous étiez maman, des ennemis. Pas. À votre âge, vous vivez plaît, toujours maman. ici et vous êtes nourri par maman. Hey. Vous n'avez pas honte. À votre âge, je continue à payer vos factures et je vous nourris. C'est juste parce Allez, que si des je vous. Je ne suis pas fou. Ne m'appelle plus comme ça. Je ne suis pas fou. N'est-ce pas que vous avez sont chez eux, mariés et ils ont des enfants? Hein? C'est quoi votre problème Allez, tais-toi Tais-toi Tous les deux, vous êtes les aînés, mais vous ne vous comportez pas comme tel. Fusse hey. ton ami. Hey. Yeah. Voyez-moi l'aîné de la famille. Oh, quelqu'un qui est en train de chercher le maman respect alors qu'il ne se respecte pas lui-même. Hey. Hey. En tout cas, c'est compliqué. Hey. Hey. Maman, maman, avoir maman, un grand frère bon, comme toi. Ce hey. n'est pas de ta faute. Hey. Maman, désolé. Hey. Maman, s'il te plaît. Mais c'est quoi ça Maman, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça Maman. Maman, désolé. Hey. Maman, c'est bon. Maman. Maman, s'il te plaît. Désolée, maman. S'il te plaît, maman. Mais les choses doivent changer. Mettons mm. les choses au clair. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Tu es mon grand frère. Et toi aussi, tu es mon grand frère. Mais regardez-moi. Je suis paisiblement mariée et j'ai un enfant. Je vis avec mon mari en paix. Mais qu'est-ce que vous faites de votre vie Vous vous battez dans cette maison tous les jours comme des gamins et vous attendez à ce que j'envoie de l'argent pour que vous puissiez manger et choisir ce que vous voulez. Tout ceci doit stopper. Si vous ne faites rien mmh. de bon de votre vie, maman, si je t'envoie de l'argent, mmh. ne leur donne pas à manger. Ne leur donne plus à manger. Ils sont déjà adultes. Ils non, doivent aller se faire battre. C'est ta faute. J'ai doré. J'en ai marre. Tu vas voir. J'en ai marre de leur bagarre. Bagarre continue. C'est pas continue. un problème. Maman, viens t'asseoir. Non, ai vraiment battez -vous, marre. Battez-vous. Battez-vous. Êtes-vous mmh. fatigué? Je suis fatigué de ces deux. Je ne sais plus quoi, -vous, quoi faire. Êtes-vous fatigué? Les essences, Je ne sais plus quoi à faire, Allez ta main, oh... là, Maman, assieds-toi bien. Dieu. Je suis désolé. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris ça. Tch. Je suis votre petite soeur, mais je suis calme. Vous ne pouvez pas prendre mon exemple. Toi, oui. ne t'inquiète pas. Bon. Je vais m'occuper de toi. Mm. toi. je suis désolé. Tu l'as sauvée aujourd'hui. Attends. Tais-toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me est dérange je de imagine. cette façon. Toi, ça donnerait une très bonne leçon. Je vais Passer te... avec des leçons. Trouve plutôt l'argent. Gina. Mm. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais peu importe, c'est mon esprit qui me pousse et c'est la vérité. Hein, maman Pourquoi sais-tu d'aggraver ces problèmes Pourquoi Je ne suis pas en train d'aggraver quelque chose. Je suis en train de dresser ton chemin. Hein Je ne sais même pas pourquoi tu fais confiance à mon mari, plus qu'à moi, ta propre fille. Pourquoi fais-tu confiance à Ifani? Parce que je ne te reconnais plus. Les comportements que tu affiches fait à ce que je ne te comprenne plus du mmh. tout. Je te dis ma chère sœur, maman a raison et tu le sais. Mmh. Tu as juste des préjugés quant à ce problème et c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ma sœur, je vais te conseiller comme ton frère aîné de respecter ton mari et de lui être vraiment soumise. De nos jours, les bons hommes sont difficiles à trouver. Avec tout le respect que je te dois à veux vais-tu fermer ta sale gueule, puante pour la mort du ciel mmh. Comment oses-tu me conseiller Toi qui n'es qu'un pauvre garçon insensé qui n'a zéro expérience en mariage. Je suis marié depuis des années et j'ai un enfant. Que fais-tu pour vivre, dis-moi Tu es célibataire et pauvre et tu as les kilos de mes conseillers. Mais je ne te blâme pas. Si je n'étais pas venu dire bonjour à maman, tu n'allais même pas avoir l'opportunité de me parler. S'il te plaît, respecte-toi, respecte-toi. Oh, ah, mais tes frères te disent la vérité. Quelle vérité, maman Pourquoi c'est toujours de cette façon que tu agis lorsque nous abordons ces sujets oh oh. Tu ne nous écoutes pas, tu n'échanges pas. Pourquoi Maman, s'il te plaît, je dois partir parce que j'ai un long trajet à parcourir. Tu ne vas pas nous écouter. Il n'y a rien à écouter. Ah Écoutez qui Ces pauvres gens. Hey, On n'a pas d'argent, maman. Vous tout écoutez normal. ça. Comme d'habitude, elle va encore partir. Mais c'est quel qu elle est comportement ça? S'il pour... est un peu ne il ferait mieux d'aller trouver de l'argent. Maman, épouse, c'est changer Pour tes besoins. Prends. Vraiment, tu les prends. Je crois que tu étais fâchée contre moi. Non. <laughs> oh mon dieu. Allez, prends. Tu, tu pensais tu prends que je n'allais pas les prendre, pas les prendre. prendre avec ça. C'est tout ce que je peux. Et toi aussi. Ouais, on n'a pas de choix. Ok, je dois me mettre en chemin. Euh, maman, le sac d'riz que je t'ai apporté ainsi que euh. l'huile végétale. Avant que ça ne termine, rassure-toi de me faire signe. Ils doivent commencer à manger un kilo par jour. Plus question de deux. Pour avoir de l'argent, c'est très difficile. Ça ne se ramasse pas. Maman, prends soin de toi, je m'en vais. Ok. Ne te soucie okay. pas de mon mari. Tu connais très bien hein? une personne calme. À propos de ce qu'on t'a dit. S'il te plaît. Et maman, c'est comme si on n'a rien dit. Si du vous tout. voulez, tu es maman. Oh, si cela vous ferait plaisir, tu es maman, là. Maman, s'en c'est Ma soeur. Plaît. Plaît. Rappelle-toi, je suis toujours ton frère aîné. S'en ira. Maman, tu ne dis rien là. Ma soeur, s'en ira. Maman, s'il te plaît, dis quelque tu chose. Maman, qu ne euh, euh, va pas te Mais dis quelque chose, non, maman? Maman, la chose la plus importante est que tes fils commencent à travailler. Je suis mariée, j'ai un enfant et je suis très heureuse. Mmh. Maman, dit quelque chose, non, ça c'est pour moi une insulte. pense à propos de ces dit. Il n'y a, a rien à tôt réfléchir, tôt, mais maman. C'est à eux de trouver comment faire pour trouver de l'argent. C'est ça la chose la maman, plus importante. Maman, c'est moi l'aîné de cette famille. S'en ira. Comment tu vas? Oui, ça va, monsieur. Tu passent, le la métallage. voiture est déjà prête. D'accord, toi, monte. D'accord, papa. Yfani, où est-ce que tu vas comme ça? Hein? Arrête-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu sais de faire? Tu essaies de sortir? Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Euh, ta bouche. Je vais au travail. Et elle est déjà en retard pour l'école. Puis-je m'en aller maintenant? Juste, écoute-toi. J'ai pars au travail et Iken est en retard pour l'école. Alors qu'est-ce qui est arrivé à la liste que je t'avais laissée sur les lits Je t'ai laissée sur les lits la liste des choses dont je besoin, mon état de besoin. Et qu'as-tu fait Tu n'as même pas jugé bon de regarder comme s'il s'agissait d'une facture d'un restaurant ou je ne sais quoi. Euh, Pourquoi tu ne m'as pas donné l'argent que je t'ai demandé hier nuit que je n'ai pas d'argent. Dès que j'ai de l'argent, je vais te les acheter. Hein? C'est ce que je t'ai dit Qu'as-tu dit Oh, attends, 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 s'il te plaît. Tu N'as pas d'argent, pourquoi n'as-tu pas d'argent? Tant que ce mariage ressemble à une œuvre de charité pour toi. Si tu savais que tu n'avais pas d'argent pour prendre soin de moi, alors pourquoi m'as-tu épousé? Pourquoi m'as-tu épousé, maman? Tu sais que je suis en retard pour l'école. Te voilà en train de crier Tant sur moi papa. Bouche, allez, dans la voiture, Va vite là-bas. Tu fais ça, maman. C'est quoi laisse ce Laisse-moi aller hein au travail quand j'ai réussi. Reviens... Je dis que tu n'iras nulle part. Tu dois me donner l'argent que je t'avais demandé. Je ne te laisserai pas partir d'ici sans que tu me donnes l'argent. Hey. Je n'en ai pas. S'il te plaît, viens par là. Donne-moi. Tu dois me donner cet argent. Je te m laisserai maman, pas partir. Que tu fais? Idiot, qu'est-ce que tu fais là Arrête, je... ma... Arrête je... maman. Arrête, maman. Je ne te laisserai pas partir d'ici. Hein Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux frapper Allez, vas-y. Frappe-moi. Madame, frappe. Oh, je ne te laisserai pas partir d'ici. Maman, tu veux me frapper. maman, frappe-moi. Allez, vas-y, frappe-moi. Qu'est-ce qui te retient Fais-le. Arrête, maman. Qu'est-ce que tu fais là Dégage. Va-t'en. Sors de là. Hi. Idiot, Hi. pauvre imbécile. Qu'est-ce que tu fais là Dégage. Fais ce que tu veux. Tu lui as déchiré les habits pourquoi? Ah. Ikena, monte dans la voiture. Gina, tu me pousses. Tu ne me feras rien. Tu me pousses. Je dis, tu ne me feras rien. Tu n'iras nulle part. Je suis là. Tu n'iras nulle part. Si tu sors avec cette voiture dont je ne tue pas Gina, tu n'iras nulle part aujourd'hui. Foutez. Maman, pourquoi quoi. que tu frappes toujours Là-bas, là-bas, vite, dans la voiture, va-t'en. Euh, non. <laughs> Ouvre-moi le portail. Je suis en N'essaye pas d'ouvrir ces portails. Nacho, n'ose pas ouvrir ces portails. Oh, tu essaies de démarrer la voiture? Pas de problème. Je suis là. Pas de problème. Je ne vais pas descendre d'ici. Je suis là. Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me tuer aujourd'hui. Je suis là. Nacho! Nacho, n'ouvre pas ces portails! N'essaie pas d'ouvrir ces portails! Ferme ces portails! Verrouille-les vite! Nacho, tu vas perdre ton travail! Idiot! Eh oh madame! Oui madame! -moi madame! Qu'est-ce que tu fais eh, faire, faire eh, eh, Idiot! Eh, 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 tu vas voir aujourd'hui! Eh Donc tu veux me tuer? Tu veux commettre un meurtre? Donc tu veux me tuer? M'utiliser pour des rituels, c'est ça? Oh! Donc tu veux m'utiliser pour des sacrifices? Ok, pas de problème! Va là-bas! Là-bas! Oui madame! Alors, papa, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas aller au bureau avec cette chemise déchirée, non? Je trouverai un moyen. Ok, papa, vas-tu vas revenir d'abord à, à la maison avant, avant que tu ne puisses aller au bureau? J'ai dit que je trouverai un moyen. Peux-tu me laisser tranquille? d'être dur envers toi. Je suis très désolé. Ok, je voulais juste savoir si tu allais bien. Je serai bien. Je vais acheter un nouvel habit dans une boutique et jeter celui-ci. D'accord Ok, papa. Je t'aime beaucoup. Je t'aime plus. <laughs> es tu stupide? Pourquoi tu t'es es-tu malade? Comment peux-tu faire des bruits dans ma maison? Pour que tu t'es proche? Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Es-tu malade? Hein Es-tu malade? Hein? Es-tu malade? Idiote! fille. Hein? Eh tu n'as ah, pas de, l as l de cerveau, toi. Je arrête. Eh. Assure arrête. Arrête. ce testement. Je vais te tuer. Je vais te tuer, Allez, dispoiré de ma vie, pauvre idiote, et arrête de pleurer comme un bébé. Disparais de ma présence. Tu pleures comme une lâche. Une fille insensée. Ah. Oh, Mais qu'est-ce qu'il Ma soeur vient bienvenue. Qu'est-ce qu'il a encore qu qu fait, fait, elle a cette pas fait ça la question. Cette fille commence à me nuire dans ma propre maison. Oui, et je dois mettre fin à sa folie. Et tu l'as déjà fait. Prisca, ma soeur, tu sais quoi J'avais demandé à cette stupide fille de m'aider à laver mes habits blancs. Elle a pris mes habits blancs et les a lavés avec les habits rouges. À présent, ça a changé de couleur. Qui peut faire ça, Prisca Malade, c'est ce qu'elle est. Qui peut faire un truc pareil? Mais mon ami, pourquoi tu ne la vires pas de ta maison? J'essaie de le faire à plusieurs reprises, mais mon mari refuse toujours. Je vois. Tu sais, ma chérie, garde tes yeux sur tous les mouvements de ton mari. Hein? Becky, laisse-moi te dire un truc. Quoi? J'ai vu ton mari aujourd'hui en train de faire l'imaginable. J'ai vu ton mari en train d'embrasser et de caresser. Une fille. Dans son travail, au parking de véhicule. Hein eh? Oh, Dieu. Ne laisse pas mon abuser cœur. de toi. Ifani, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça Donc, tu veux dire que tu as vu mon mari en train d'embrasser et de caresser une fille dans le parking de son travail ha! Mon ami, je ne pouvais croire à mes yeux. Oui, j'aurais dû voir comment il le faisait. Je me suis dit, cet homme est fou ou quoi Sérieusement te rappelles tu comment tu m'as dit qu'il t'est trompé? Je ne pouvais le croire. Aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Hey! Ifany, <laughs> Ifany aura de mes nouvelles aujourd'hui. Il n'y aura pas de paix dans cette maison aujourd'hui. S'il revient, je lui donnerai du feu. Il verra. Ifany, Ma chère, c'est maintenant que tu dois agir avant qu'il ne t'affecte avec des maladies sexuellement transmissibles qu'il aura contractées dehors. Mais non, on ne sait jamais. Hey! 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 C'est vraiment incroyable. Oui, c'est ça. Imagine. Désolé. Hé, hey, hey. mon gars. Quoi de <laughs> neuf, mais. Oh, rien de grand, rien de grand. Oh sérieux, je suis très contente de te voir. Écoute. Mathilda vient de quitter le bureau. Sérieux? Et je crois fermement que ce contrat, nous l'aurons. Hey! <laughs> ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Honnêtement, mec. Je suis très impatient de voir cela. J'ai toujours prié pour ça à chaque instant. <rire> <rire> euh, tu vois, hein, nos chances sont très élevées. Parce que son entreprise croit tellement en nous. De quoi d'autre on de parler Ça a été résolu. Moi, je suggère à ce que nous puissions d'abord nous focaliser sur ce problème. Pour que ce ne soit pas quelque chose qui puisse nous prendre trop de non, temps. Non, vois, non, 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 non. L'audit sera prêt avant la signature du contrat. Ouais, le Magnifique. cabinet d'Odi me l'a déjà assuré, Mais donc voilà. a pas d'inquiétude. <laughs> ah, ouais. Tu vois maintenant <laughs> Franchement, j'adore. Ouais, 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 ouais. je suis impatient de ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, quoi de neuf, mon cher C'est comment à la maison Comment on va à la famille Ça va à la euh... maison Obioma, ne pleure pas. Hein, arrête de pleurer, c'est bon. Je te fais dire de ne pas prendre cœur tout ce que la patronne t'a fait. Elle est juste comme ça. Je n'avais rien fait de mal. Elle m'avait donné quelques vêtements pour nettoyer. Et il y avait des habits blancs qui étaient mélangés avec ceux d'autres couleurs. Et elle a commencé à me frapper pour ce que moi je n'avais pas fait. Oh Dieu, c'est bon. <laughs> hmm? Notre patronne était notre impossible. Mais il faut que tu supportes parce que tu sais pourquoi tu es venue ici. Hein? nétait le problème de la vie que nous avons? Personne entre nous ne serait ici dans sa maison. Honnêtement, je suis fatiguée de tout. J'ai envie de partir, non. Tu dis que tu veux déjà partir. Où veux-tu même aller? Est-ce que tu as un endroit où partir, Obioma? C'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il te plaît, arrête de pleurer, s'il te plaît. C'est bon, ne pleure plus. S'il te plaît. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Thank <laughs> you. Oui. Ah, beau frère. Frère. Ah, mm. beau ah beau frère, beau frère, beau frère, beau frère. Gina, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas. Ah, m mon fils. Ah, ah, maman, regarde comment il jette mes affaires. Regarde comment il jette mes affaires. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien ça Maman, vas-y parle. Est-ce que c'est bien qu ah, ah. Qu ce qu'il fait Qu'est-ce que je que fais pour arrêter ça Beau frère, maman. Je t'ai ramené ta fille en paix J'ai fini avec cette méchante you Oh, tu ne peux pas no, no, Nous l'avions dit lors de la cérémonie du mariage, c'est pour les meilleurs et pour les pires Tu ne peux pas no, 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 en ville, on y va Si tu oses monter dans tu voiture, tu verras de quel tu je no, 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 tu no, 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 Tu veux oser Non, non, violence conjugale, qu'est-ce que tu veux faire Je ne pas ce Qu'est-ce qui ne va pas, Gina? Dis-moi. Oh, qu que je vous qu le porte Je ne sais faire. pas. Je n'ai fini avec elle. Je n'ai fini avec elle. Ce n'est pas le mariage, ça. Ce n'est pas le mariage, ça. Je vis en enfer avec cette pute. Gina, qu'est-ce qui Maman, je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas. Hein? Il s'est réveillé soudainement. Il a pris mes affaires. Il a mis ça dans la voiture. et m'a dit de venir avec lui. Maman, j'ai toujours été une bonne femme pour lui. J'ai toujours été une Alors, bonne femme Alors pourquoi est-ce qu'il a ramené tes affaires? Qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien. Temonte-lui. Jésus. Ah. Oh. Mon Dieu. Euh, que ceci n'arrive pas. Gina doit se corriger. Et ça sera seulement si elle m'écoute. Elle doit m'écouter. Hein? Je dois la voir. Je dois voir Gina. Maman, Maman qu'est-ce qu'il y a encore Je dois voir votre sœur. J'ai continué toujours à avoir ces mauvais rêves. Je ne comprends pas du tout. Je crois que c'est la préméditation de quelque chose. Mmh. Oui. Maman, mais tout ça veut dire quoi vraiment votre sœur est captivée par des distractions. Elle doit réparer certaines choses maintenant. Maintenant. Mais maman, jusqu'à présent, tu n'as encore rien dit. Oh, Qu'est-ce que je ne lui ai jamais dit Tu me dis que je ne dis rien de sérieux. Qu'est-ce que je ne lui ai jamais dit Qu'elle doit être humble et respecter l'homme que Dieu lui a donné. Hein Je ne comprends pas. Où est-ce que Gina a reçu cette étude? Je ne comprends pas. Maman, ce n'est même pas demandé. Ce n'est de même pas demandé. Tout ça fait de notre défunt père, maman. Quoi Oui Elle n'écoute vraiment personne Anochi, tu ne peux pas parler du mal à un mort, s'il te plaît. Papa est déjà mort, il est déjà parti. Laisse-les reposer en paix, s'il te plaît. Mais je ne fais que dire la vérité. Quelle vérité Est-ce que ce que tu dis Allez, là sortez, est une vérité Allez, sortez. dégager de ces lieux. Maman, je ne fais que dire la vérité. J'ai bien dit, sortez-vous d'eux. Mais Allez, maman, moi, 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 je pense. Oh, ya yeah. Partez mmh, Ça, c'est toi. Tu es juste en train de chercher des problèmes. Respecte-toi. Mmh, on verra bien. Maman, 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 maman. Qu'est-ce qu'il y a? Dégagez. Tchai. Hey, Gina. Bienvenue, mon amour. Merci, ma chérie. Mmh. Dis-moi, comment vas-tu? Oui, ça va. Très bien. Et toi? Um, stressant comme toujours, mais c'était quand mal. même magnifique. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé, hey, t'inquiète. Maintenant que tu es de retour, je vais me rassurer que tu te reposes paisiblement. Oh mon Dieu! Pour quelle raison pourrais-je cesser de t'aimer dans ce monde? Je n'arrêterai <laughs> jamais de t'aimer, mon bébé. Je t'aime aussi. Chérie, la table est déjà dressée. Va aux installations, prends ta douche. Une fois fini, tu viens profiter de ta nourriture. Et après la table, tu vas aller au lit. Je vais moi-même m'occuper de toi. <laughs> tu sais. <laughs> Écoute, laisse-moi te dire, même dans un autre monde, je te choisirai toujours comme... <laughs> femme. Tu le dis, oui, tu n'as pas le choix. Je dis Écoute, moi de même, dans ma prochaine vie, je vais me rassurer que tu sois toujours mon... Au fait, dans ma prochaine vie, dans mon monde d'avenir. Tu seras toujours mon mari. <laughs> ok, je dois viens, aller à viens, bien, bien. Ta, maintenant. Euh, ta, okay. je reviens tout de <laughs> suite, ok. C'est mm -hmm. <laughs> que je vienne. J'arrive. Nacho, Nacho, mais où est ce stupide portier, Nacho? Oui, madame. Mais pourquoi tu me laisses crier? Es-tu sourd euh, Madame, désolé, je n'avais pas tu entendu. Euh, J'étais derrière. Allez, de toi. Va verrouiller ces portails. Madame, que je, que je verrouille le portail. Tu m'as bien entendu. Verrouille la porte et apporte-moi la clé. Je vais dire deux clés. Fais vite. Pas seulement là-bas, et de l'autre côté aussi. Voici, madame. Euh, mais, madame, qu'est-ce que je veux dire au patron quand il sera là Comment je ferai pour l'ouvrir oh, C'est vrai. Tu dois leur donner une raison. Approche que je te dise quelque chose. Que, que je vienne Viens que je te dise ce que tu lui dirais une fois qu'il sera là. Si mon mari te demande, hey, dis-lui hey. que j'étais giflé et j'ai pris la clé. Hey, uh -huh. Madame, fouteuse. Pourquoi elle me tape comme ça Ai, Ce n'est pas normal, ça. Je suis fatigué. Fatigué de tout ce que je vis ici. Ah. Le patron de retour... Ah, ah, Qu'est-ce qui ne va pas avec Nancho Pourquoi n'ouvre-t-il pas le portail oh Pourquoi ne vas-tu pas ouvrir la porte pour lui, non Ai, Je veux le livre que madame a pris la clé. Ok, vas-y alors. Hé. Hey, Hé. Hey. Euh... patron, bon après-midi monsieur. Vas-tu garder tes salutations et m'ouvrir le portail Euh patron, il n'y a pas moyen que je le fasse parce que madame a pris la clé du portail. Nacho, tu vas bien Vas-tu aller prendre les clés venir m'ouvrir le portail Oui monsieur, désolé monsieur. Ah Mais pourquoi est-ce que maman a pris les clés Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir en faire? Je ne comprends pas. Elle savait qu'on revenait, pourtant elle a retiré la clé du portier. Je ne comprends pas. Euh, madame. Euh, madame. J'ai besoin de la clé parce que le patron est déjà là au portail. Il faut que j'aille la Sorte clé. Disparaît de ma vue. Va lui dire de m'appeler au téléphone. Euh... Es-tu sûr de quoi Non. Mon ami, disparaît, sors de ma vue. Va-t'en, va-t'en. Pars. Okay. Eh oh, reviens, ramasse ça. Ok, prends cette saleté et va mettre ça dans la poubelle. Stupide garçon. Quand il sera prêt, il m'appellera au téléphone. Sinon, il restera là-bas jusqu'à l'année prochaine. Papa, j'ai vraiment faim. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Et je vais faire popo. Ne t'inquiète pas, quand on entre, tu vas manger. Papa, hmm? pourquoi est-ce que tu as l'air si sûr? Tu sais bien que maman ne cuisine pas pour nous. Mais tu m'as l'air si sûr. S'il n'y a pas de la nourriture, je te trouverai quelque chose à manger. Ok. Patron Vraiment désolé, mais madame ne veut pas me remettre la clé. Pourquoi Quel est le, le problème Lui a -il dit que je suis ici avec Ikena Oui, je le fais. Mais il dit que vous devriez l'appeler au téléphone. Côté, oh, papa. Je vais l'appeler au téléphone. Oh, mais cette femme... Oui, qu'est-ce que c'est? Gina, quel est le sens de ce drame que tu incarnes? Es-tu prêt à confesser tes péchés? Confesse tes péchés et j'ouvrirai le portail pour toi. Qui est cette femme que tu as embrassée au bureau Et qu'est-ce que ça veut dire Tant tu n'es pas prêt de confesser, n'appelle plus jamais mon numéro. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman Elle est raccrochée. N'importe quoi. Ah, je vais faire popo. Wow, quel magnifique couple. Ils sont heureux. Quand je vais me marier, hein, je voudrais que ma famille soit exactement comme ça. Malgré le fait qu'ils n'aient pas d'enfants, mais ils sont heureux. Et toujours en paix. Waouh Allez, mon garçon, viens. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, ça va, champion? Je vais bien. Mon frère, le drama a commencé. S'il te plaît, mon fils a faim. Oh, il n'y a pas de souci, je lui donne à manger. Viens ah. manger, chérie. Je, je ne sais pas ce qui euh. arrive à cette femme. Allons à l'intérieur, mon gars, s'il te plaît. Viens, encore. Hum. C'est quel genre de manière avec cette femme? Comment est-ce qu'elle peut refuser à son mari et son enfant d'entrer dans leur propre parcelle? La parcelle qui appartient d'ailleurs à l'homme. Ah, Jésus, ça c'est, c'est totalement injuste. Ah, c'est grave. Sais-tu que, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que cet homme est toujours très très sérieux? Il accepte toutes ces bêtises. Il n'arrive même pas à réagir. Oh, il faut savoir que notre patron est une bonne personne. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup la paix. Aussi, il aime beaucoup sa femme. Nous ne pouvons rien faire pour elle. Mais comment est-ce qu'il peut continuer à aimer une femme comme celle-là Sais-tu qu'elle ne mérite pas un homme de bon cœur comme notre Oga Tout ce que je sais, c'est qu'elle prend plus qu'assez. Et juste un jour. Elle va se réveiller, elle va réaliser que tout va vraiment basculer. Que ces jours arrivent très vite. Parce que cette femme ne mérite pas quelque chose de très bon. Ça viendra. Je prie que cela arrive vite. Allez, tiens. Mange bébé, mon chéri. Ok, bon, merci appétit. beaucoup, Tantine. Dieu purifie et bénit cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est bon? Oui, Tantine. Régale-toi. D'accord. Puis-je t'apporter à manger Non, je vais bien, merci. Cela n'a aucun sens du tout. Je veux dire, comment a-t-elle pu t'acquiser de la sorte Mon frère, ça fait partie des choses auxquelles je fais face chaque jour. J'ai innocemment embrassé Mathilda avec l'enthousiasme que nous allons obtenir le contrat. Je ne sais pas comment ma femme me surveille, moi. <laughs> Écoute, Ifani, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas... Sérieux, tu dois faire quelque chose à propos de ça. Elle doit apprendre à se contrôler en tant qu'une femme. Non, franchement, je dois parler avec elle. C'est quoi son problème Comment elle peut agir ainsi Comment elle peut euh, empêcher son mari et son enfant d'accéder à mais la maison. Imagine. Mon amour. Laisse-moi appeler Gina. Oui, attends aucun moi problème. un instant. Allô. Salut Priska, comment vas-tu Ton mari et ton fils sont ici. Peux-tu imaginer que ce fou est en train de nier tout ça hum. Il est ici en train de nier. Quand bien même que je l'avais vu. Ma chérie, t'inquiète pas, il n'a encore rien vu. Je vais m'occuper <laughs> de lui. Bien, j'aime ce que tu le fais subir. Ma chérie, merci d'être toujours là pour moi. Il n'a encore rien vu, je t'assure. Bien, mais j'ai quand même donné à notre fils la nourriture pour manger. C'est vraiment gentil de ta part, merci. Merci. Ah ah pas besoin de me remercier. Et pourquoi sommes-nous amis? nest pas que c'est pour nous entraider? Merci pour avoir pris soin de lui. Que Dieu te bénisse. Prends soin de toi. Il n'y a pas de suicide. Rien. Hey, Laisse-moi aller voir ce qu''il est en train de faire. Laisse-moi aller voir s'il a fini de manger. D'accord. Bye. D'accord. Bye-bye. Hé, <laughs> hé, hey, hey, Ifani. Tu auras de mes nouvelles que tu es. Une sage femme sait réunir sa famille dans l'unité, mais des folles comme toi les renversent de leurs propres mains. Ouvre les portails pour ces pauvres idiots. « Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu pars saluer C'est ton mari Dégage la pauvre idiote Disparais Je ne veux pas te voir C'est pas ton mari Pars à la maison Disparais de ma vue idiote !»« Et où crois-tu aller comme ça J'ai délibérément demandé à Nacho d'ouvrir le portail pour toi pour que tu puisses me donner des explications claires concernant la fille que tu embrassais et touchais tendrement hier dans le parc de ton Gina, travail. » S'il te plaît, je te supplie au nom de Dieu, j'en ai déjà eu assez, laisse-moi entrer et me reposer. Aller où Où crois-tu y aller Je ne vais pas te laisser entrer jusqu'à ce que tu me dises qui est cette femme. Tu crois que je n'allais pas le savoir Tu crois que je n'allais pas le découvrir La Bible dit, je serai devant toi et derrière toi et je veillerai sur toi. Et regarde maintenant, comme enfant de Dieu, Dieu ne veille pas seulement sur moi, mais il veille aussi sur mes propriétés, toi y compris. Alors, qui est la femme que tu as embrassée hier qui est cette femme Ikem? Ikem, oh qui est-elle Dieu, nature, s'il te plaît, ouvre le portail. Tu dis quoi Tu n'iras nulle part. Donne-moi ça. Donne-moi cette clé. Tu ne sortiras pas d'ici. Ina, voilà. Tu es fou. Ifani, tu ne sortiras pas d'ici. Gina, qu'est-ce. Tu ne sortiras pas d'ici. Je ne vais pas te le permettre. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi Pourquoi ne puis pas avoir un moment de paix dans ma maison Ok, je t'ai laissé la maison, pourtant tu ne veux pas me laisser oh, sortir. Non, 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 ça n'a rien à voir avec la maison, mais plutôt ce que tu étais allé faire. Tu avais quitté bonnement la maison pour aller ton t-shirt avec ta petite amie et tu te donnes à ce que je fasse quoi T'applaudir ou te féliciter? C'est vraiment à ça qu'il t'attendait? Tu dois vraiment être fou. Gina, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Donne-moi les clés. Et, 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 arrête. Oh, oh, tu veux me brutaliser pour prendre la clé Écoute, écoute, ne me provoque pas. Ne me cherche pas. Oh, oh, oh Tu es toujours là Tu veux ouvrir le portail? C'est ce que tu veux faire tu veux ouvrir ce portail Incroyable. Quel est ton problème, Essaye de le Gina. faire. Ne me provoque pas. Ne me cherche pas. Donc, après ça va avoir fait tout ce que tu voulais avec ta petite amie, vous êtes embrassée, vous êtes entichée. Je te demandais ce que je puisse t'embrasser. Tu dois sûrement être hey. malade. Regarde-toi. Tu es malade. Je risque d'être trop élevé. Hey. Foutez-vous. Oh, Gina, Gina, Gina. Viens récupérer la petite amie. N'importe quoi. Oh, Gina. Oh, Dieu, Dieu. Patron! Mettons... Ah, Gina! Mon Dieu. Madame, monsieur, vous saignez! Attendez, ah. je vais trouver quelque chose. Hey! Ifane! Ifane, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? As-tu connu un accident ce matin? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony, pourquoi cette chose appelée mariage m'est si injuste? Pourquoi, malgré mes efforts d'être un bon mari à la femme que j'ai aimée et épousée, tout ce qu'elle fait, c'est de me faire passer par des tortures et des peines? Donc, c'est Gina qui t'a fait ça? Attends, Yifan, c'est Gina qui t'a fait ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement chez cette femme? Je vis en enfer dans cette maison. Anthony, je vis en enfer dans cette maison. N'est-ce pas chez toi que mon fils et moi avons passé la nuit? Je rentré ce matin et cette femme a commencé à se battre avec moi. Honnêtement parlant, Ifani, ceci n'est plus du tout drôle. Non, ceci n'est plus du tout amusant et tu dois prendre des mesures très sévères à propos de ceci. Que veux-tu que je fasse Que, que veux-tu que je fasse Je ne peux pas lever la main sur elle. Je ne ferai jamais ça. Je ne peux pas être compté parmi les hommes qui se livrent à la violence domestique. Dis-moi, est-ce qu'elle est en train de te faire à toi Comment allons-nous appeler ça Non, la romance domestique. Vas-y, réponds-moi. Ifani, combien de temps va-t-il te falloir pour que tu comprennes que cette femme n'est plus du tout bon pour toi Combien de temps Regarde mon visage. Regarde mon visage. Ah. La femme que j'ai épousée m'a fait ça. Ouvrez bien ces portails là, ouvrez bien. Bienvenue beau frère. Ouais maman. Elle est à l'intérieur. Maman? Maman? Mais elle est où? Viens, viens, viens. Qu'est-ce euh... qu'il y a? Hein? Oh, Ogo! Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Maman, c'est Gina qui m'a fait ça. C'est la femme que j'ai épousée qui m'a fait ça. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ça, c'est pas bon. Rentrons dedans. Viens. Maman, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça, c'est notre sœur. Ça, c'est notre soeur. À tout moment, il est toujours en train Comme une tigre. C'est notre sœur à tout moment. Elle se bat toujours contre son homme. Gina. As-tu perdu tes sens ah. Comment pouvais-tu interdire à ton mari et ton enfant d'entrer dans la maison Tu es possédée par quel démon Aucun démon ne me possède. Je suis plutôt guidée par le Saint-Esprit. J'ai demandé juste des explications auprès de mon mari. Maman, à ce que je sache, je suis la femme d'Ifani et pas sa bonne ou son esclave. Et il n'y aura pas de peu dans cette maison jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Je le mérite. As-tu oublié que le mariage, c'est la patience? Et en essayant d'exercer cette patience, on fait toujours face à plusieurs problèmes. Et ce n'est pas une chose qu'on peut faire en un jour. C'est tellement difficile. Maman, s'il te plaît, épargne-moi ces adages. Je ne suis pas prête pour ce genre de choses. Regarde-moi très bien, maman. Je mérite le bonheur. Je mérite la paix. Maman, prends le temps de me regarder. Qu'est-ce qu'il est allé chercher Dis-moi, ne suis-je pas belle Pourquoi est-ce que mon mari ne peut pas bien me traiter Je mérite la paix, le bonheur et être chouchoutée. Je ne suis pas prête de changer cela. Je vais être heureuse tous les jours de ma vie. Et je ne serai pas d'accord avec tout ce qui me rend triste. Au détriment de ton mariage. Mmh. Gina, Gina, est-ce que tu es en train de t'amuser avec les émotions d'un mort, monsieur Dieu qui t'a donné un don comme celui-là. Un homme qui a apporté de la lumière dans cette famille. Et alors, qu'as-tu apporté dans cette famille La honte, l'embarras et la pauvreté. N'est-ce pas que tu es assez vieux pour ramener la lumière dans une autre famille Tu n'as pas honte de toi Il a ramené la lumière. Attends, attends que je te porte une correction. Et Fanny n'a pas ramené la lumière dans cette famille. C'est moi qui ai ramené la lumière dans sa famille en lui donnant un garçon, sans pour autant aller consulter des différents pasteurs. Tu crois que c'est facile As-tu déjà été dans une salle d'accouchement Je suis une mère Accorde-moi un minimum de respect. Il a ramené la lumière. Oh, parce qu'il m'a épousé donc je deviens une chose à ses yeux. Je dois me donner un esclavage à lui Oh non, ça ne va pas marcher. Nous nous sommes mariés pour être des partenaires et pas des esclaves. « Tout ce que nous te demandons, c'est de respecter ton mari. Sois un ambassadeur de paix, un constructeur, une conservatrice, un partenaire, une femme qui apporte les solutions pour d'autres personnes. »« C'est ça. »« Maman, il l'aurait voulu. Oui, il aurait voulu. Je ne savais pas que c'était pour ça que tu m'avais appelée. Pour dire vrai, si je le savais, je n'allais pas venir. Parce que j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Je n'ai pas le temps. » Ce n'est pas de votre faute, mais celle de mon stupide mari qui est venu jusqu'ici pour se plaindre. Je ne m'attendais pas à ce que mon mari puisse être aussi commère, en venant jusqu'ici pour vous raconter de bêtises concernant notre mariage. Nous sommes censés résoudre nos différends en tant que mari et femme et pas faire appel à tout le monde pour qu'il vienne me parler pour que je sois une bonne femme. Et tu attends que homme non... reste calme quand les choses vont très mal. Tu attends qu'il meure en silence. Jeune dame, est-ce que tu es consciente que tu es en train de détruire la vie de ces messieurs Tu penses que c'est tout le monde qui supportera tes bêtises Et tu penses qu'il va se calmer Non Il a vraiment raison de s'exclamer Gina Gina Corrige tes pas huh. Gina Corrige tes pas maintenant Un mot est suffisant pour un sage Corrige tes pas Maintenant Ok. Maman, je suis belle. Je mérite l'amour et la paix. Alors, je n'échangerai cela avec rien au monde. Donc, mon mari doit apprendre à me traiter comme une reine et mes joyeux. Sinon, il n'y aura pas de paix. Et elle fait même des photos. Je ne suis pas en train de prendre une photo, mais plutôt en train de filmer. Mais malheureusement, je ne peux filmer une pauvre chose comme toi. Maman, elle dit que je suis Dieu. Mais c'est ce que tu es. Moi, l'aîné de la famille. Tais-toi, Okeb. Okay. Hey. Le fils aîné qui n'a pas d'argent. J'aurai de l'argent et tu me verras bien. Ok, très bien. Ah, Beau, Bo, es-tu en train de dormir? Est-ce qu'il va bien? Sûrement, il est très fatigué. Ah, es-tu sûr? Très sûr, mm, mm, mm. mm. Est-ce que ça va Je suis désolée. Je, je, je vais bien. Sincèrement, tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas mm. oh, Attends une minute. Tu veux dire que tu es passé par tout ceci juste à cause de moi Honnêtement, je ne sais pas. Pourquoi et comment elle me surveille ah. Ah, Ok. Je vais aller jusque chez toi pour m'expliquer si cela coûterait ta paix. D'accord euh, Oui, je, je pense que tu devrais vraiment faire cela. Ça pourrait peut-être nous aider. J'en suis sûre. Êtes-vous sûr qu'elle n'incarnera pas encore son drame Aie hey, confiance. Nous tiendrons une conversation entre femmes. Je dois le faire. Oh, Seigneur des anges, je suis désolée. Je suis désolée. Ok, désolée. Oh, Obioma! Oh, ma. Madame, dois-je d'abord crier très fort? Avant que tu ne répondes à l'appel. Madame, vous m'avez appelé. Désolée, j'étais en train de. Tais-toi et passe-moi la télécommande. D'accord, madame. Disparais. Mmh. Ah. Bienvenue chez moi. Merci êtes beaucoup. Vous à ah. Bonjour, madame. Bonjour madame. Ah. Gina, comment vas-tu Je vais bien. Bienvenue. Voici Mathilda. Ouais, la dame dont tu m'accuses. Intéressant. Ifani, je dois vraiment féliciter ton courage. Tu as le culot de ramener ta pétasse dans mon toit conjugal. Donc, c'est arrivé à ce stade, n'est-ce pas? Excusez-moi, madame. Je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Je suis Maltida Akot, la fille de Chief Akot, le DG de la grande compagnie de construction. Je crois que ça vous donne une idée de ce que je suis. Euh, elle a demandé de me suivre ici afin de pouvoir te libérer l'esprit de tout ce que tu pourrais y cacher. Sérieusement, madame, je suis choquée de la manière dont vous traitez votre mari. Votre mari est une bonne personne. Vous avez une belle âme comme mari. Je ne sais pas pourquoi tu le traites de cette façon. Sachez que ce n'est pas du tout bien pour une femme. Ce qui est choquant et très décevant, c'est de voir une prostituée venir jusqu'à chez moi pour me dire comment traiter mon mari. Pardon, tu m'as bien entendu, Yvagne. Ça a l'air d'un film. Donc tu as ramené à la maison ta stupide petite amie pour qu'elle vienne m'enseigner comment prendre soin de mon mari. C'est ça. Et toi, Anthony, tu gardes silence. J'avais oublié que vous étiez des oiseaux de même plumage. Et toi? Estime-toi heureuse, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, j'allais te décorer avec de l'eau bouillante. Ne remets plus jamais tes pattes dans cette parcelle. Disparais d'ici, fais vite. Veuillez m'excuser. Ai-je dit quelque chose de mal? N'est-ce pas que j'essaie juste de la conseiller comme une bonne femme? Ah! Hey! Ifagne! Ifagne! Tu es dans la merde. C'est très sérieux. Euh, C'est quel genre de femme avec qui tu vis Mes chers... C'est ça ma croix. Ah. Regarde ça. Regarde. Babe. Hum? Tu avais dit que euh, Gina est ton amie d'enfance, n'est-ce pas? Oui. Il y a un problème. A-t-elle toujours été comme ça? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, a-t-elle toujours été si toxique et insupportable Mon amour, sincèrement, si je te dis que je ne suis pas surprise, ça serait un mensonge. Je ne sais pas ce qu'elle devient. Au fait, elle était calme et très très douce. Oui, je ne sais pas d'où elle prend tout ceci. Tout ça est vraiment inimaginable. Mon meilleur ami est en train de vivre un enfer étant sur terre. Cette fille n'est vraiment rien d'autre à part une espèce de démon envoyé de plus profond de l'enfer pour le détruire. Chérie, ton ami est très fort. Il est vraiment encouragé. Il est très fort. Je me demande comment il vit avec cette folie. Comment? Quelqu'un doit absolument dresser cette fille. Parce qu'elle n'arrête pas d'agir comme une chienne enragée. Très vrai. Très vrai. Ah. Mon beau-fils. Non. J'étais appelé ici pour discuter de ce que tu vis avec euh, ma fille. Ça m'attriste le cœur. Je ne comprends même plus le genre d'être qu'elle est. Cela me dérange aussi. Honnêtement, je suis dérangée tous les jours. Voilà pourquoi je l'avais appelée autrefois pour que nous discutions. Et qu'est-ce qu'elle a dit Le problème était avec elle. Parce qu'honnêtement, je ne comprends pas son comportement. Nos gens disent que lorsqu'un homme tue son ami, il cherche toujours à enterrer ses corps. Pour éviter le soupçon, j'aimerais te supplier pour quelque chose, s'il te plaît. Peu importe ce qu'elle t'ait fait, pardonne-lui pour le bien de ton fils, s'il te plaît. Je t'en prie. Hum. Je t'en prie. belle-mère, je t'ai entendu. À ce que tu saches à mon sujet, tu peux affirmer que je ne suis pas un fauteur de troubles. Tout ce que je veux, c'est la paix dans mon foyer. Est-ce que c'est trop ce que je demande? Je sais que tu es un homme d'intégrité. Voilà pourquoi je veux que tu gères bien ce dossier. Fais-le très bien. Comme ça, la paix va régner. S'il te plaît, je suis tellement fatiguée de parler tous les jours. Je suis fatiguée de la conseiller. Résous ça, s'il te plaît. Je désire la paix. OK? S'il te plaît, fais-le pour moi, OK? D'accord. Merci. Ouais. Et que papa Il a quoi Tout va bien. Papa bienvenue. J'ai très faim. Je n'ai rien mangé du tout depuis que je suis revenu d'école. Ah, ah. Pourquoi nest il pas de la nourriture ou bien ta maman n'est pas là Elle est bien là, mais n'a pas préparé comme d'habitude. Ça ne peut pas continuer. J'arrive. Bon retour chérie. Comment était ta journée? Pourquoi il n'y a pas de nourriture pour Ikenna? C'est pour ça que tu n'as pas répondu à ma question. Je t'avais demandé comment était ta journée. Gina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment est-ce qu'une mère serait à la maison et son enfant aurait fait quand il y a assez de nourriture dans le magasin? Yfani, tais-toi. As-tu un handicap Qu'est-ce qui t'arrive Ne peux-tu pas faire la cuisine pour ton fils J'ai juste dis que je suis fatiguée et j'ai pas la tête à faire la cuisine. Est-ce que qu'est-ce qui est qu y a de si difficile est pour que toi de comprendre toi-même Sais-tu à quel point tu as l'air stupide je veux faire semblant de n'avoir rien entendu. Tu commences vraiment à être irrespectueux. Si tu n'étais pas mon mari, j'allais te donner une très bonne gifle Parce que c'est ce que tu mérites. Mais pourquoi m'insultes-tu? Juste parce que j'ai dit que j'étais très fatiguée pour faire la cuisine? C'est ça la raison? Je me demande le genre de mère que tu affiches à la société. Non, continue à manipuler ton téléphone. Écoute, écoute, écoute. Si tu veux manger chaque minute et chaque seconde dans cette maison, tu dois te trouver une bonne. Qui sera prête à faire ces sales boulots pour toi? Et pas moi. Je suis ta femme, Ifani. Je fais la cuisine quand j'en ai envie. Et quand je n'en ai pas, je me fais belle, je prends soin de oh, moi. Oh, que la domestique nourrisse ton fils pour toi. Que la domestique nourrisse ton fils pour toi. Quand ton fils est censé être ta priorité. Continue à manipuler ton téléphone. N'importe quoi. Ton fils, ton fils, ton fils. N'est-ce pas que c'est ton fils aussi? Nourris-le. Fais la cuisine pour lui. Bébé mmh. Est-ce que tu vas bien mmh. Mmh. Je ne me sens pas en forme, j'ai comme envie de vomir ah depuis ah, le matin. Et tu ne rire. me l'as pas dit depuis mmh. Ok, euh, nous devons aller voir le docteur Tunedo. Je pense qu'il doit être à son bureau à heure-ci, ok mmh, Mon amour, arrête. Ce n'est pas si grave que ça. Ça va aller. Ah ah, non, pas du tout ça, ma chérie. Ok, nous partons à l'hôpital immédiatement. Attends d'ailleurs, je vais l'appeler juste pour lui informer. Ok, ça va aller. Mmh. Doucement, 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 doucement. Doucement, doucement, doucement. doucement, doucement. Euh, un bébé. Oui. Sérieux, c'est la meilleure des nouvelles que je n'ai jamais entendues dans ma vie. Je suis très heureux. Tu m'as rendu fier. <laughs> Gloire à Dieu. C'est lui le faiseur de miracles. Enfin, je serai appelée mère. Et je vais bientôt être appelée <rire> papa. <rire> oh. <rire> euh, uh. Écoute, nous allons vraiment célébrer ceci d'une façon très stylée. Je suis en train de penser à organiser une toute petite fête. Non. Non, 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 chérie. Non. Non. Pourquoi Écoute, gardons cette nouvelle pour nous-mêmes. Les gens sont méchants. Ils sont tellement méchants que tu ne peux croire. Méfie-toi des souris que les gens te donnent. Tu ne connais pas les cœurs de l'homme. Je pense que tu as raison. Comme ça, nous dirons seulement à nos proches. et C'est tout. Célébrons notre statut. C'est celle qui envoie des choses. <laughs> oui. Et je serai bien je sûr à toi le J'ai l'impression qu'il dort. Non, ici, ici <laughs> Ah, « Merci infiniment, merci mon cœur. Tu me rends l'homme le plus heureux du monde. »« Bénis cette nourriture, Père, et sanctifie-la au nom de Jésus-Christ. »« Amen. Amen. »« Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »« Amen. »« Ah, la nourriture est prête et personne n'a jugé bon de m'informer. »« Je n'avais pas su que Sa Majesté avait besoin d'une invitation spéciale de la... » part de la BBC avant de manger la nourriture qu'elle a refusé de préparer pour sa famille. Alors, pourquoi n'as-tu pas appelé ta femme? Pourquoi ne lui as-tu pas dit que la nourriture était prête pour tout le monde? Hein? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Tu sais que j'adore ces repas, et surtout quand c'est pimenté. Et... Ah! J'espère que c'est délicieux. Très délicieux. Très délicieux. Mmh. Chérie, tu as bien cuisiné. J'adore. Et tu le dis sans avoir honte. Je ne comprends pas. C'est ce que je devrais dire en mangeant ta nourriture. Mais non, dans cette maison, c'est plutôt le contraire. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal si j'apprécie ce que tu as cuisiné Tu m'as demandé si la nourriture était délicieuse. Je t'ai dit oui. Quel mal y a-t-il C'est moi qui dois toujours faire la cuisine. Ne sais-tu donc pas que c'est romantique si un homme cuisine constamment pour sa femme je sais que tu ne comprendras pas cela parce que naturellement tu n'es pas remonté. Écoute, personne ne dit que c'est mauvais pour l'homme de cuisiner. Mais dans cette maison, c'est moi qui travaille et paie toutes les factures. Et tout ce que toi tu sais faire, c'est t'asseoir et gaspiller mon argent. Mais que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je fasse Je me fais belle pour toi. Se faire belle n'est pas du tout facile. C'est pas facile comme les gens s'imaginent. Et si quelqu'un d'autre cuisine, tu t'assois et la manges. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais Même si notre personne prépare, tu vas toujours manger. Pourquoi ne dois-je pas manger? Des grâces, permets-moi de savourer cette nourriture, s'il te plaît. Où est-ce que tu as mis ton téléphone? Prends les images et publie sur Facebook, Instagram et partout que c'est toi qui as préparé ce que nous mangeons. Permets-moi de manger calmement. Quand tu auras fini, prends la mienne et mange-la aussi. Laisse-moi manger dans ce cas. Aïe. I am so glad that Jesus loves me. Hey, oh, Jesus loves me. Oh, Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me, oh, Jesus loves me, loves you, hey! Hey, 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 hey es-tu sourde? Qu'est-ce que c'est? Non, madame. Veux-tu transformer ma maison à une église? Non, madame. C'est quoi ce bruit Jésus t'aime, Jésus t'aime, et tu continues à être pauvre et misérable. Non, madame, je suis juste heureuse. Et j'avais décidé de danser, madame. Très intéressant, tu es oui, juste madame. heureuse. Vraiment? Oui, madame. C'est bien. Chérie, pourquoi es-tu heureuse? Pourquoi es-tu joyeuse? Hein pourquoi es-tu joyeuse es dans ma maison? Dis-moi, réponds, pourquoi es-tu joyeuse? Allez, lève-toi, lève-toi. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Je vais juste te donner une leçon. Alors, pourquoi es-tu heureuse? Dis-moi, es-tu parce que ta famille est pauvre et misérable? Non, madame. Es-tu joué parce qu'ils sont sans emploi et au village? Non, madame. Non, madame. Désolée, je veux que tu répéter. Moi. Écoute, écoute très bien. Okay, madame. Que ce soit la première et la dernière non. fois que tu chantes et mettes les bruits dans cette maison. Okay. Ne dérange pas ma paix. Ok. Je suis désolée, allez, madame. S'il te plaît. <rire> Pourquoi <laughs> portes-tu une perruque dans ma maison? <laughs> tu veux désolée, madame. Mon mari je avec peux ça? Qu'est-ce que tu veux? Désolée, allez, madame. Lève-toi, pauvre idiote. Eh où euh, écoute, madame, écoute. tu as intérêt euh, à ne euh... pas oser, mmh. parce que si tu le fais, je vais t'enterrer vivante. Okay, madame. Un instant. Hein As-tu appliqué de la poudre blanche au visage? Oui, madame, oui, madame. Pourquoi? Ok, madame. Mais qu'est-ce que tu as au juste? Mais pour qui tu <laughs> appliques la poudre? Écoute. Dans cette navire, je suis la seule capitaine. Je sais, madame. Il n'y a pas d'autre mmh. capitaine. Oui. Je suis venue ici pour travailler comme bonne. Donc, tu dois mmh. t'habiller et te comporter comme telle. Oui, madame. Regarde-moi. Regarde-moi oui, bien madame. comment je te parle. Qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que tu mettes la perruque oui, dans ma madame. maison. Je ne le ferai plus jamais. Maintenant, va dans la douche. Ok, prends -la madame. Prends de l'eau et lave mmh. le visage. Enlève tout merci, tout ce que tu as mis comme beaucoup. poudre. Mmh. Stupide fille. Merci, madame. Je ne veux plus entendre cette chanson. D'accord, madame. Et oh mais où est-ce que tu vas? Non, non, madame, je suis mon visage. Je t'ai demandé de déposer cette chose et d'aller te laver le visage avec de l'eau. Ça veut dire quoi tu es sur ton visage? Allez, reviens, reviens vite. Tu dois être stupide. Pourquoi tu es sur ton visage désolée, dans ma salle désolée, à manger? Dégage! Une villageoise insensée. Vous ne voulez pas me coller la paix dans ma maison? Tu crois que tu veux venir chez moi et commencer à t'habiller comme la reine Elisabeth? T'inquiète, je vais te donner une leçon. Oh, Bioma! Viens changer de chaîne pour moi! Foutez! Tu n'as encore rien vu. T'es vraiment chanceuse. Bébé, s'il te plaît, je t'en prie. Tu vas s'épurer comme ça. Je t'en prie, arrête. Pourquoi moi? Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours moi. Pourquoi? 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 Je suis déjà au 20 e post couche durant toutes ces huit années de notre mariage, pendant que les autres femmes accouchent sans problème. Ça va aller, c'est vraiment pénible, je sais. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu ne dois pas quand même te tuer, ok? Ça va aller. Ce de pas de ta faute. Arrête, je t'en prie. Chérie, j'ai besoin d'avoir un enfant. Chérie, ne plus ce qu'un bébé. Je vais prouver au monde que je suis réellement une femme. Je sais. Pour prouver au monde que je suis une femme, juste un enfant, même un bébé. Ça va. Mes aller. amis en ont déjà plus de deux. Et qu'en est-il de moi Qu'en est-il de moi Je vais avoir mes propres enfants. Chérie, en chérie s'il te plaît, arrête. Je veux un enfant, moi également. Ok? Tu n'as rien du tout à prouver au monde. Je suis ton monde. Et je sais bien que ce n'est pas de ta faute. Alors je t'en prie. Calme-toi. Ok? Je t'en prie. Quand mon cœur est viendra, mon... Je le mon sais bien. J'en ai marre de toutes ces fausses couches. Je ne demande pas beaucoup. Allez, c'est Juste fort. un enfant. Tu non, chérie. Juste un chérie. Tu l'auras, mon sucre Juste tu un, un enfant. Ne fais qu'un bébé. Laisse-moi prouver au monde que je suis une femme. Un chérie, ça va chérie. aller. Ça je va ne aller. Ce n'est pas On juste. Ce n'est pas du tout juste, mon Dieu. Je t'en prie, arrête. <laughs> ça va aller, chérie. Ça va aller. Prisca, ma chérie, je suis très désolée. Je peux comprendre ce que tu ressens maintenant. Je sais que ce qui t'est arrivé n'est pas du tout facile. Seul Dieu peut te réconforter et tu toucheras le fruit de tes entrailles. Mais tu dois être forte, ma belle, ok? Gina. Gina, j'avais espoir que cette fois-ci ça allait marcher. Mais ça finit comme toujours. Ça va aller. Écoute, ma chère sœur. Tu auras ton enfant. Quand et comment, je ne sais pas. Mais je sais une chose, Dieu va te bénir avec les enfants. Tu dois juste être forte pour que cela puisse arriver. Mm -hmm. Ok. Hein? Ok. Mm -hmm. Ok. Elle est toujours là? Oui. Tu veux parler de ma bonne Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là Mais servir. Ah, Gina, Gina, mon ami, tu ne chéris pas ton mariage. Hein? Oui, écoute, sa présence dans cette maison, c'est un danger pour toi. Allez, Prisca, je veux dire, Richard ne va pas descendre aussi bas au point de sortir avec une simple <laughs> bonne. Non, ce n'est pas possible, arrête. Gina, <laughs> tu m'étonnes. Gina, tu ne connais pas du tout les hommes. Hein? Te rappelles-tu de la fille avec qui je l'ai attrapée? Mmh. La fille de son bureau. Ah, je crois que tu t'étais trompée. Parce que la fille en question était venue jusqu'ici avec mon mari et a dit qu'elle n'avait rien à voir avec mon mari. Et tu les as crues? Hé! Hey! Hé! Hey! Gina! Gina, tu es ignorante. Gina, ils ont joué de toi. Sais-tu que cette femme est la maîtresse de ton mari? Hein? Oui. <laughs> Dis-moi, comment ils ont pu avoir ce contrat qui les a euh, permis de travailler ensemble Écoute, ton mari couche avec cette femme. C'est pourquoi il arrive à gagner tous ces contrats. C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours été comme ça. <laughs> <laughs> hmm. Ils sont juste pour te dire qu'il n'y a rien entre eux et tu le crois quelque chose que je veux de mes yeux. <laughs> Gina, Gina, Gina. <laughs> Allez, sors. Va-t'en. Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Ah. Va Va-t'en. Va-t'en de chez ah. moi. Je pas dis. loin. Sors de madame, ma maison. S'il vous plaît, chut, chut. madame. Non, viens, viens. Je n'ai pas de famille, bon, madame. Chose. Mais la ah. voir. Allez, s'il vous plaît. Je ne veux madame. plus jamais la voir. Arrête de me toucher. Madame, que je l'ai entendu. Veux-tu que je puisse le répéter? C'est ah, la sortie de non, non. non, madame, non, non. Oh, donc tu fais peur de que... ta Non, madame, ah, c'est pas, pas ça. Viens, 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 dans la maison. Vas-y, viens. Ah, madame, s'il vous doigt, plaît. Lève-toi. Va avec elle. Hey, eh, ramasse. Magas. Ramasse. Madame, s'il vous plaît, les pitiés. Merci. Hum, merci. Merci beaucoup, mon ami. En tout cas, j'apprécie. N'importe quoi. Avance, s'il te plaît, avance. Je vais pas perdre mon travail, s'il te plaît, avance. Ne ah, t'inquiète pas, ok? Mon Dieu. Oh, bien, calme-toi. Hein? Laisse-moi te demander un peu. Qu'est-ce que tu as fait à la patronne pour qu'elle te chasse de la maison aussi subitement comme ça? Je. ne je... lui ai rien fait. Elle m'avait demandé d'apporter la boisson pour son ami. Et lorsque je l'ai fait, elle m'a suivi. Juste comme dans la ça. chambre Pour prendre mes affaires. Je ne comprends pas. Et me Tout ça signifie quoi? Hein? Tout va bien, hein? Oh, c'est bon, arrête de pleurer. Euh, D'abord je ne veux que tu n'ailles nulle part, hein? Tu vas juste rester ici jusqu'à ce que le patron revienne du travail. Je suis très sûr qu'il va vraiment ranger ça. C'est bon, arrête de pleurer, hein? Ne pleure plus, arrête de pleurer. pleurer. Hey. Ma chérie, tu vois ce que tu viens à peine de faire? Tu viens de prendre une très bonne décision pour ton mariage. Elle devait partir d'ici. Prisca, Ifani devra s'expliquer aujourd'hui devant moi. Il a eu les culots de ramener sa copine dans cette maison. Et cela en ma présence. <laughs> Mon ami, les hommes, les hommes sont terribles. Hein? Ma soeur, ouvre grandement tes yeux. Gina, ouvre tes yeux. T'inquiète, il y aura plus de bonnes dans cette maison. Très bien. Ne vois-tu pas comment j'ai vu Est-ce que j'ai une bonne Non, c'est pour sécuriser mon mariage. Je ne veux pas du tout avoir de problèmes. Tu as raison, ma soeur. Il y aura plus de bonnes dans cette maison. Et si Ifani ose ramener une dans cette maison, <laughs> je vais étrangler cette personne. Ah ah. Je te fais confiance, pas besoin de me les dire. Je sais ce que tu peux faire. <laughs> Ma chérie, laisse-moi aller chez moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup pour tes conseils ah, ah. et tes encouragements. Mais qu'est-ce que je Mais ferais sans toi Mais Oh, <laughs> merci beaucoup, merci. Ah, ok. Ah. Laisse-moi t'accompagner. Ah. <laughs> qu'y a-t-il pourquoi tu pleures madame m'a frappé, elle m'a chassée qu'est-ce que tu lui as fait je ne lui ai rien fait elle m'avait demandé de servir la boisson à son ami je l'ai fait et juste après elle m'a suivi dans ma chambre pour me demander d'en mes affaires et sortir juste comme ça elle l'a fait ensemble avec son ami. C'est de la folie, ça. Attends, ici, j'arrive. Gina Gina Qu'est-ce que la fille t'a fait et tu l'as battue comme ça et lui a demandé de quitter la maison. Ne me dis pas que c'est pour cette raison que tu aboies comme un chien. Je lui ai demandé de partir parce que ses services ne sont plus désirés dans cette maison. Tu vois, quelquefois, je me demande si vraiment tu es normal. Parce que tu, 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 tu es cette femme paresseuse qui ne peut rien faire dans la maison. Et tu es cette même personne qui a besoin des domestiques pour t'aider à faire les travaux domestiques. Et tu renvoies celle-là. Est-ce que tu, tu es normal, Gina? Je vais bien. Il n'y a rien de mal avec moi. C'est juste que je n'ai plus besoin de services de cette idiote. Elle n'est plus digne de rester dans cette maison et rien, ni personne ne me fera changer d'avis. Je n'aime même pas toi. Je n'aime même rien à te dire maintenant. Je ne veux plus voir ta pute. C'est assez. Si réellement tu es un homme, essaie de la ramener. Vous tous vous emmerder dans cette maison. Nacho. Patron, ouvre le portail. Obioma! Monsieur! Laisse le sac derrière et viens devant. Mais comme Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener chez ta soeur. Ok, monsieur! Mon Dieu, donc Obioma est vraiment parti, juste comme ça. C'est quel genre de femme méchante comme ça, hein? Comment un homme aussi bon peut avoir une femme aussi méchante? Oh mon Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, ne me laisse pas croiser une telle Jézabel dans ma vie, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît. Méchante femme. <coughs> Mon amour. Ifagne hein? est un ami très fort. Il vit l'enfer. Hé! Hey! J'ai pitié de ce jeune homme. Le cas de Ifani commence sincèrement à me ranger. Mon cher, si tu avais vu ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu savais ce que j'ai vécu aujourd'hui, je tu sais que j'étais allée voir Gina pour la mettre en garde par rapport à son comportement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux savoir ce qui s'est passé <laughs> Je l'ai trouvé en train de battre sa bonne. Elle a jeté elle et tous ses bagages dehors. Pourquoi Parce qu'elle croit qu'elle doit avoir un lien avec son mari, Ifagne. Ifagne que je connais ne peut jamais faire ça. <laughs> tu t'expliques vraiment N'est-ce pas que je les connais Il ne veut pas faire un Il truc, truc comme frappe. ça. pas. Jamais. Exact. Gina est terrible. Sa maison devient inconfortable pour son mari. Elle se fâche à tout moment pour des choses qui ne sont même pas fondées. Elle doit être qualifiée de sécurité. Madame Sekiriko. Sincèrement, je prie toujours pour Ifagne chaque jour. Le fait de se marier à Gina est assez pour un homme de commettre un suicide. Exactement. Ah. <laughs> tu vois, chérie, <laughs> moi je suis pacifique. Je te donne la paix la prospérité et une longue vie je ne suis pas une trouble faite et je ne hey, suis pas oui. ça. Bénidieu, <laughs> bénidieu de béni bénis dieu béni dieu de m'avoir comme ta femme bénis dieu <laughs> mon Chérie, amour merci infiniment de me. j'ai pris okay. d'être un vrai bonheur pour toi gina gina Tiens, yeah, Ifani, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi hurles-tu? Pourquoi cries-tu mon nom? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, Gina, tu n'as rien préparé. Pourtant, tu as renvoyé la fille qui cuisinait dans la maison. Ifani, ne me dis quand même pas que c'est à cause de ça que tu as gâché ma paix. Parce que je vais sérieusement me mettre en colère. Gina, es-tu un diable? Quel genre de démon es-tu? Obioma était la cinquième domestique que tu as renvoyée de cette maison. Pourtant, tu es si paresseuse, tu n'arrives pas à cuisiner, tu n'arrives pas à laver tes propres habits, tu ne laves pas les miens, ni ceux d'Ikena. Gina, quel est ton problème? As-tu fini à jacasser? Si tu as faim, va dans la cuisine et fais-toi quelque chose à manger. Alors, écoute et écoute attentivement. Que ceci puisse être la dernière fois que tu viennes déranger ma paix. J'étais assise là-bas tranquillement, en train de suivre une série télévisée très intéressante, avant que tu ne viennes m'interrompre avec tes bêtises. Où est-ce que tu penses que tu vas... Quoi, oses-tu Es-tu malade Ça, c'est parce que tu es un insensé, un stupide, paresseux. Tu ne peux pas cuisiner toi-même Est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Allez, approche, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la question? Maman? Oui? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de prendre soin de nous? Pourquoi est-ce si difficile pour toi de prendre soin de nous comme toutes les femmes? Es-tu vraiment une bonne mère? Tais-toi! Tais -tais. Allez, approche, approche. Donc, ton père t'a envoyé pour que tu viennes me poser cette question, n'est-ce pas? Allez disparaître de ma vue. Il ne l'a pas fait. Va vite dans ta chambre. Qu -ce que ce soit la dernière fois que tu me poses ce genre de questions. Dégage! Hé, hey, reviens. C'est par là ta chambre. Ah ah! Bêtise. Voyez-moi cet idiot. Pourquoi tu ne peux pas être une bonne mère? Ah ah, ah. Je suis un mauvais père. Sais-tu combien j'avais souffert dans la salle d'accouchement idiot? Foutez. <laughs> Ifani. <laughs> ok. En tout cas, mon cher, la fois passée tu es venu, aujourd'hui tu es venu encore et nous parlons des mêmes sujets. Sérieusement, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec notre sœur. Je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. En toute honnêteté, ça me fatigue et me frustre chaque jour. Euh, maman, attends un peu. Mm. Oui, donne-sa, maman, elle va s'asseoir. Mm. Mm. Oh, maman, assieds-toi ici. Mmh. Ah. Mon beau fils, s'il te plaît, je continue à te supplier. Supporte tout ça juste pour un moment. Oh, s'il te plaît, je t'en prie. Je vais appeler ma fille Gina et je veux parler avec elle. Je suis sûre que ça va changer cette fois-ci. Tu as entendu? Maman, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais endurer ça. Vous pouvez vous imaginer la dernière fois on se disputait? C'était juste de simples disputes Gina m'a giflé. Non, ce n'est pas vrai. Hey! Quoi? Elle t'a vraiment giflé? Hey! Mmh. Mmh. Gina a soulevé sa main et t'a giflé? Non, 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 non. ça c'est une folie totale. Hmm. Ah! Beau oh, frère, hein? écoute un peu. Comme maman l'a bien dit, nous allons plus tard lui parler, s'il te plaît. Et pour cette fois, elle doit nous écouter. S'il te plaît, apaise-toi. Mon fils, s'il te plaît. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi. Je ne veux pas que ces derniers se moquent de nous. Comme je viens à peine de le dire. Comme je t'ai promis, je veux l'appeler ici et je vais parler avec elle, s'il te plaît. Mon fils. Oh? Ah non. Ça doit pas changer ça. Pas de problème. Ah! Gina! Hmm? Non, c'est grave. Gina! Il faut que ça change. Hey! Gina! Ah! Gina! Où est-ce que tu as appris cette attitude que tu y affiches? Pourquoi refuses-tu de préparer pour ton mari et ton enfant? Maman, c'est pour ça que tu m'as Maman, je suis fatiguée de ces réunions à répétition, que je danse à réunion, que je bouge à réunion. De toute façon, il n'est pas ton mari. Mais qu'est-ce que c'est, maman? C'est pas comme si je ne cuisinais pas pour lui. Je lui avais servi de la pâte. Et il n'y a aucun inconvénient avec ça? Après tout, mon mari n'est pas infirme, il n'est pas handicapé. Si je ne peux pas faire la cuisine, il peut tranquillement aller à la cuisine, faire quelque chose à manger et venir nous servir. C'est comme ça qu'on fait. Non, mais s'il te plaît, est-ce que tu t'es déjà entendu quand tu parles Ou alors tu te rends compte des mots qui sortent de ta bouche Non, mon frère, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Non. C'est pourquoi elle dit des choses stupides comme une personne qui a perdu la tête. Qu'est-ce que tu viens de dire j'ai bien dit, tu dis des Qu choses. Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu viens de dire C'était quoi ça ah ah Maman Elle est manque de respect. Elle manque de respect. Elle ne ça peut suffit. jamais me faire ça. Calme je vous. suis nez de ça cette suffit. famille. Elle ne jamais faire ça. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est bon. Calmez-vous. Non, 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 pas jusque-là. Soyez la courage. Insufflez ton frère aîné. Calmez-toi. Ton frère aîné. C'est vous, calmez-vous. J'ai dit ça suffit. Maman, c'est parce que je suis pauvre. Ça suffit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parce que je suis pauvre. Tu te permets de me manquer de respect parce que je suis pauvre. Amélie, ah, tu as eu les kilos, les toupées, de mes Ok, pas de problème. Je vais t'accuser à mon mari. Maman, tu es là n'est-ce pas Tu es là n'est-ce pas maman Pendant que ton stupide fils, ton voit rien de fils a eu les kilos d'élever sa sale main sur moi et tu n'as pas réagi. Pas de problème. Gina, tout homme sur cette terre qui gère très bien sa colère sait toujours agir au bon moment. Assez avec tes adages. Ok. Assez avec tes adages, maman. Mais qu'est-ce que je fais de mal Je te demande, qu'est-ce que je fais de mal Juste parce que je ne vais pas cuisiner J'ai pas de force et j'ai pas le temps pour cuisiner. Qu'il m'accorde un peu de temps pour prendre soin de moi. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile avec ça Tu aurais dû me dire bien avant que tu m'aies invité ici pour m'insulter et permettre à ton idiot de fils à Mechi de m'insuffler. Et je crois que tu ne cherches pas à échapper à ces sujets pertinents. Pourquoi est-ce que tu rends ta maison comme l'enfer pour un homme qui ne t'a rien fait, qui cherche juste ton bonheur. Pourquoi Est-ce que tu vis avec nous Comment peux-tu être sûr qu'il n'a rien fait de mal Comment tu témoins des histoires que tu ne connais pas Maman, je n'apprécie pas ça. Je n'apprécie pas du tout ça. Dresse ton chien. Dresse ton chien. La force que tu as utilisée pour me gifler, si tu l'avais mise au travail, tu allais être dingote en ce moment. Mais tu ne peux pas. Regarde-toi, un homme stupide. À ton âge, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison. Tu ne peux jamais me faire ce que tu fais à ton mari. Non c'est moi les laisser. Toi pendant qu'il fait encore jour. Gina, cette ténèbre que tu te crées toi-même. Si quelque chose t'arrive, il serait mieux que tu changes maintenant. Change maintenant pendant qu'il fait encore jour. Je vais m'occuper de toi. Je t'enseignerai une leçon que tu ne seras pas prêt d'oublier. Tu ne travailles pas donc tu ne peux pas t'offrir un avocat. Sois prêt. Tu veux me rassurer que tu finis en prison. Je dois partir d'ici. Parce que je suis pauvre. Et là, tu okay. vas où Nous allons bien voir. Vas-y. Viens me mettre en prison. Gina. Elle dit que je suis Gina. un chien. Ah. Le premier fils de cette famille. Oh. Maman, parce oh. que oh. je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe avec ma petite soeur? Maman, cette fille a vraiment ah. dépassé les bornes. Chai. Nacho. Nacho. Nacho! Quoi ce gars? Nacho! Nacho! Oui, monsieur! Quel est le problème? Oui, monsieur, je ne je ton nom depuis. Désolé, monsieur, j'étais très occupé derrière. Et tu n'as même pas nettoyé la voiture? Madame m'a demandé de faire quelque chose, alors c'est pourquoi je voulais d'abord. Ouvre-moi euh... le portail. Ah! Oui, Ikenna Ikenna Oui, papa, j'arrive tout de suite! Ah, Qu'est-ce qui te retenait? Papa, je suis désolé, papa. J'étais en train de chercher les stylos que j'avais perdus hier soir. Et tu l'as trouvé? Oui, papa, je l'ai très facilement retrouvé. Tu sais que j'ai des yeux de serpent. S'il <laughs> <C> te <'était rire> plaît, monde à la voiture, ce garçon. Hein. Oh, nous sommes en retard. Oh. Papa, chérie, tu veux partir de la maison sans me donner l'argent que je t'avais demandé? Mm. Quel argent Et pourquoi tu as besoin de l'argent C'est quoi cette question Je suis une femme, j'ai beaucoup de choses, j'ai plein de besoins. Tu vois pourquoi je t'ai dit de te trouver un travail, afin que tu arrêtes de dépendre de moi pour tous tes besoins. M'as-tu déjà trouvé un Et j'ai dit oh, non Oh, désolé madame, désolé. Il y a des ouvertures dans mon entreprise, je peux t'en trouver une maintenant même. Donc tu veux que je commence à répondre, monsieur, madame, à tous ces idiots de ton entreprise T'inquiète chérie, je vais travailler. Une fois que tu vas ouvrir ta propre boîte, je serai la manager. <laughs> C'est ça la place pour toi. Tu vois le problème Tu n'es pas seulement paresseuse, mais tu es aussi arrogante. Je, je, je ne sais pas comment expliquer le genre de femme que tu es. Une fois que tu aurais fini d'insulter ta femme, tu lui donneras l'argent qu'elle avait demandé. Je, je n'ai pas de liquidité. Je te ferai un transfert arrivé au bureau. Es tu sûr? Je dois m'en aller. Allez, passe une belle journée, euh, bébé. Euh. Oh, reviens par là. Tu veux aller sans faire un câlin, maman oh, Désolée, maman. <laughs> je t'aime, Je t'aime aussi, maman. Écoute, dis à ton papa tu me de me donner de l'argent, OK OK, d'accord. Bonne application, mon chéri. Au revoir, maman. Papa, maman a dit que je devrais te dire de lui envoyer de l'argent. Mon ami, avec toute honnêteté, tu as une mine absolument horrible. Tu vois, Anthony, il n'y a rien de bon à dire au sujet de mon foyer à cause de cette femme. Tous les membres de ma famille m'évitent. Ils les saoulent par sa paresse et ses mauvaises attitudes. Comment peut-elle continuer d'agir ainsi Hey, pardon, oh. Mais... Mon gars, tu es absolument très fort. Donc tu n'as pas cessé d'endurer pendant tout ce temps, tout en gardant ta sérénité intacte Mon frère, que veux-tu que je fasse Tu vois, j'ai appris assez tôt que le mariage est comme un colis. Donc, quoi que tu vois en l'ouvrant, tu prends. Honnêtement, je ne suis vraiment pas du même avis que toi. Le mariage a été fait pour savourer et non pour endurer. Comme tu peux le voir, je n'arrête pas de savourer chaque jour mon foyer <laughs> avec ma femme. Le voilà encore. Tu vois Anthony, tu es chanceux. Dieu t'a donné une femme. Mais dans mon cas, le diable m'a emballé un couteau au lieu d'une femme. Écoute. Je dois m'en aller. J'ai fait un arrangement pour une nouvelle domestique. <laughs> C'est amusant, mais, mais j'ai besoin de quelqu'un dans la cuisine. Alors je dois aller prendre la petite fille maintenant. Hmm? C'est d'accord. Je te verrai demain dans ce cas, ok? Ok, pas de problème. Euh, euh, J'apporterai les papiers du contrat en bas. Je les apporterai en partant. Ok, c'est parfait. Je vais les arranger. C'est d'accord. Euh, on, se, on se verra Je, plus je te tard. rejoindrai bientôt, en bas. D'accord. Salut, mon Maman. chéri. Maman, bon après-midi. Mm. Comment était ta journée? Ma journée était parfaite. Est-ce que ta maman t'a manqué? Oui, bien sûr, maman. J'espère que la journée était bonne. Oui, la journée était parfaite. Madame, bon après-midi. Bienvenue, chérie. Bon après-midi. Uh, merci. Va à l'intérieur. Mmh. Va te rafraîchir. Uh, Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Sois le bienvenu. Merci. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est quoi cette chose? Marie, la nouvelle domestique. Ah, je m'attendais à ce que tu dises oh, Marie la mère du Christ. Et avec la permission de qui Qui tu as ramené une autre bonne dans cette maison Je te demande Écoute, écoute attentivement. Cette pauvre, misérable, sale... Oh Seigneur, elle pue. Elle ne restera pas ici. Si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, sors de cette maison tout Comment? de suite. J'ai pas compris. À qui appartient cette maison Si je peux demander. Je ne te comprends pas du tout. Elle ne restera pas dans cette maison. Gina, je vois que ton chômage a affecté ton sens de raisonnement et de la cohabitation. Ne me tente pas. Va à l'intérieur. Tu ne peux euh? rien faire. Pourtant, tu ne veux pas laisser quelqu'un le faire pour toi. Attendez. Hein? Hey! Hey! Ifa! Hey! Ifani! Ifani, tu me provoques! Si tu insistes qu'elle reste ici, ça va mal se passer entre nous! Ça va mal se passer! <laughs> tu crois que je ne sais pas ce que tu fais? Tu crois que je vais accepter que tu ramènes l'une de tes stupides prostituées à la maison au nom des bonnes? Ça va mal se passer entre nous! D'accord, je te reviendrai. Passe une belle journée. <laughs> Où est cette stupide fille? Marie? Oui, madame. Viens. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je nettoie la cuisine, madame. Ça fait longtemps que tu as commencé à nettoyer la cuisine, n'est-ce pas? Désolée, madame, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la cuisine. Ferme-moi cette bouche puante. Qu'est-ce que tu insinues? Que ma cuisine, elle est sale? Non, madame. Je suis certaine que de toute ta vie, tu n'as jamais vu ce genre de cuisine. Stupide fille. Désolée, madame. Désolée pour ta misérable vie. Euh, je faim, euh, je crois que j'ai besoin de manger quelque chose. Alors, va me faire le banane plantain, un peu de salade et l'œuf mouillé. Désolée, madame, il n'y a plus tout ça dans la cuisine. Je savais que quelque chose pour Oga et Junior. Tu dois être stupide, tu dois vraiment être idiote. Tu avais fait les restes pour Oga et Junior. Alors, Qu'est-ce que tu fais maintenant Tu ne sais madame. donc pas où ça se voit. Désolée. Ok, madame. Reviens ici. Pourquoi portes-tu ces gens des babouches dans ma maison Étais-tu venu ici pour un défilé Je de mode Je suis désolée, madame. Enlève ça vite. Ton bracelet, enlève. Tu n'étais pas venue ici pour une couverture de page magazine. Euh, reviens. Tes boucles d'oreilles, oui. Enlève vite tes boucles d'oreilles. C'est comme ça que vous vous baladez partout pour voler les hommes d'autrui. Je te tromperai madame. si tu oses. Cette robe, je n'aime pas ce genre de tenue. Cette te ça montre tout est parti. Faut plus la mettre. Je suis désolée, Sors madame. Sors de ma vue et ne prends pas plus de dix minutes pour me faire cette nourriture. Ok, madame. fouillez moi cette stupide, pauvre et sale chose. Anna, je Cho Viens me brûler ces choses. Marie oui, madame. S'il te plaît, apporte-moi à manger, je faim. Marie! Madame, je suis. Fais vite. Désolée, madame. Donne-moi cette table. D'accord, madame. madame. Marie, viens vite ici. Viens vite. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi oh, la oui, est-elle trop salée? Non, madame, je n'ai pas mis beaucoup de sel. Donc, indirectement, tu me traites menteuse. Je suis désolée, madame. Je l'avais bien goûté. Oh, Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait Dis-moi. Ah, je suis désolée, désolée je madame, pas temps désolée. Plus, parce que quand je vais t'attraper, quand je t'attraperai, hum, tu as goûté à ma nourriture, c'est ça Non, -ce madame, non, 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 s'il vous plaît, vous plaît, vous plaît, vous plaît non, madame, Allez, non, madame, lève-toi. Allez, vite, madame. Mets-toi à genoux. Avance, avance. Ne me stresse pas parce que je n'ai pas envie. Avance, je te dis. Madame, à genoux. Mets-toi à genoux. À genoux. Lève le main. Allez, ouvre la bouche. Ouvre ta bouche. Ok. Allez, lève le main. Je ne vais pas entendre ta voix. Sale chose. N'importe quoi. Je ne vais pas entendre ta voix. Mon chéri. Mon chéri, tu es revenu. Bienvenue. Vais-tu un peu de patate? Et pourquoi est-elle à genoux? Ah ah! Pourquoi est-ce que tu me questionnes parce que je punis la bonne? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ce que je demande. Tu n'as pas besoin de savoir ce que cette pauvre chose puante et sale a fait. Marie, lève-toi de là. Écoute, Yfagne. Yfagne, respecte-toi. Marie, ose! Ose! J'ai pas compris. Marie, je dis, lève-toi de là. Lève-toi et va dans ta chambre. Lève-toi. Ah! Tu n'es pas seulement paresseuse, mais aussi méchante et insensible. Qu'est-ce que tu viens de faire? Écoute, monsieur. Que ce soit la première et la dernière fois que tu remettes en cause mon autorité devant cette chose stupide et puante. Mmh. N'essaie plus jamais de le faire. Parce que si tu oses, tu ne seras pas ravi de ce que je te ferai. Oh. Qu'est-ce que c'est C'est quoi ton problème Tant tu commences à sortir avec cette fille, oh, prostituée. Tu ne me laisses pas d'autre option que celle de couper cette chose et la manger avec la sauce pimentée. Et non, censé. Regarde-toi-même. Une truie paresseuse, c'est ce que tu es. Marie, apporte-moi de l'eau. Laisse-moi me régaler avec Une mes patates. Une truie, c'est ce que tu es. Marie! Oui, madame. De l'eau. Espèce de folle. C'est quand même délicieux. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais cette stupide fille doit quitter cette maison aujourd'hui. Elle ne restera pas un jour de plus dans cette maison. Aujourd'hui, c'est la dernière. Je dis que Marie ne va nulle part. Et moi, je dis que la petite souris que tu avais ramenée dans cette maison doit partir. Et rien ne me fera changer d'avis. Oui? Ah, Gina, laisse-moi te poser une question. Quel gérant de démon a pris possession de toi? Pourquoi vois-tu toujours le mal en tout le monde? Pourtant, tu as refusé de reconnaître la force du démon qui vit en toi, Gina. Ifani, c'est toi qui es habité par un démon et pas moi. Tu peux prendre cette chose comme bon te semble, mais le fait est que cette fille, Marie, doit quitter ma maison. Mmh. Elle n'est pas ma co-épouse, mais ma bonne, donc j'ai le droit de décider sur elle quand je le veux. Euh, Maintenant, euh, je veux qu'elle parte. Euh, tu fais fausse route. Laisse-moi te rappeler que je suis l'homme dans cette maison et tu ne décides pas à ma place. Je dois te rappeler aussi que je suis la femme de cette maison, donc tu n'as pas le droit de me traiter comme si j'étais une chose. Ok, faisons-le comme ça. Si Marie doit partir, alors tu dois faire tous les travaux qu'elle fait dans cette maison. Tu dois laver, cuisiner, nettoyer et aller au marché toi-même. Tu deviens fou parce que j'ai demandé à ta pétasse de partir. Je ne ferai pas une telle chose. Malgré tout ce que tu dis, elle doit partir. <laughs> euh, elle éprouve ma patience. <laughs> Gina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi Pourquoi ce comportement où est-ce que tu as appris tout ça? Sûrement, ce n'est pas de moi. Parce que je suis celle qu'une bonne mère peut être pour ses enfants. Belle-mère, c'est ça ce que je vois chaque jour. J'ai été réduit à rien dans ma propre maison et j'en endure ça fait longtemps. Je ne crois pas que c'est toi qui fais tout ça. Cet homme ici est un bon homme et il a une façon correcte. Je me demande comment est-ce que tu joues avec ce que Dieu t'a donné de très précieux. Maman, je n'arrive pas à croire que tu as quitté ta maison jusqu'ici pour me raconter ces bêtises. Gina, pour une fois dans ta vie, corrige-toi que la paix retourne dans cette maison. Les hommes qui veulent la paix achètent des voitures pour leurs femmes chaque semaine. Oh, 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 je vois. Gina, je prie juste que je ne sois pas emportée par ta stupidité, avec cet esprit bénévole qui t'anime. Je prie Pardon? que ça ne se fasse pas. Euh, en ce moment, je n'ai pas besoin de tous ces conseils. Je dois aller au spa. Tu sais, j'ai besoin d'aller me faire hydrater la peau, me chouchouter un peu et me sentir bien. Oh, il faut qu'on me fasse la pellicure, le soin de visage et un peu de massage. Je dois partir, désolé. <laughs> Ce que tu as vu n'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce que ça veut dire? <laughs> ça veut dire quoi? Arrête. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Bon après-midi, madame. Vous êtes très jolie. La ferme, c'est quoi ton nom? Ah, mon nom est Rita et je suis. Ici Elle et... est la nouvelle domestique. Euh, Rita. Monsieur continue ton nettoyage. D'accord. Arrête-toi. As-tu discuté de ça avec qui? Dois-je le discuter avec toi avant d'amener quelqu'un pour faire ce que tu as refusé de faire? Parce que je suis ta femme. Nous devons avoir une discussion proprement dite avant que tu ne prennes n'importe quelle décision. Oh. Plus jamais. Alors, elle ne restera pas. Elle doit partir. Hmm. Elle ne va nulle part. Je dis qu'elle ma doit partir. Ici. Rita ne va aller nulle part. Dégage. Qu'est-ce que tu fais encore là Je t'ai demandé de partir. Laisse-la, non. Laisse-la, Dina. Es-tu malade. Es-tu stupide As-tu perdu la tête Quelque chose ne va pas chez toi yes, Tu stupide. Quel est ton problème, Dina Aïe. Aïe aïe, hein? aïe aïe Violence conjugale Ivani, tu me fais mal Tu me fais mal aïe, Pour qui me prends-tu au juste Aïe, aïe, aïe vais... Violence conjugale Imbécile N'importe quoi je, je vais te tuer N'importe quoi Ivani, Je ne vais plus te laisser faire. Va continuer ton nettoyage quelque part. Ok, monsieur. Ne laissez plus la prochaine fois. N'importe quoi Gina, dois-je croire réellement à ce que tu me dis? Tu veux dire qu'Ifania a levé sa main sur toi à cause de cette bonne? Puisque, est-ce que je t'ai jamais menti? Ma chère, mon mari m'a frappé sérieusement et en présence de cette petite sorcière, peux-tu imaginer? Quoi? Oui. Non. Non, ce n'est pas possible. Non, 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 pas du tout. En fait, certainement, Yangui sous roche. Que veux-tu dire par là? Mais qu'est-ce que tu veux encore savoir? Si Fanny peut oser arriver jusqu'à ce point, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui le manipule. Il doit être sous un charme. Hein? Oui, non? Euh, ma chère, je suis vraiment confuse. Je ne sais plus en qui croire. Gina, ouvre tes yeux avant que les choses ne deviennent pires. Ouvre tes yeux avant que ça ne devienne tard, Gina. <laughs> Mmh. Ne penses-tu pas que je dois changer tes comportements Et essayer de devenir une bonne femme ah, ah. Non Toi ah, ah. Ma sœur, tu es parfaite Tu es une bonne femme, qu'est-ce que tu fais de mal Rien Tu ne fais que protéger ce qui est à toi, ce qui est normal pour toute femme Écoute, moi je ne saurais pas supporter ce que tu endures, mon mari le sait Donc Jamais je suis une bonne femme Toi, hein? tu dis Tu es une femme parfaite Il a de la chance parce que moi ta place, ah 1 1 1 il me connaît bien. Moi ta place, tout sera en feu. Je partirai de la maison sans stress. Je le laisserai. T'occupe pas de lui. T'es une bonne femme. J'aurais souhaité avoir ta nature. T'es un ange. Je ne saurais pas le supporter. Non, jamais. Ce n'est pas possible. <laughs> ah. Voyons, Ifagne, pour une fois tu as agi en tant qu'un homme. Arrête sincèrement de t'en faire, mon gars. <laughs> Anthony, tu n'as pas compris. J'ai déconné. J'ai vraiment déconné. J'ai fait ce que j'ai juré ne jamais faire dans cette vie. Écoute, je déteste les hommes qui lèvent la main sur leurs femmes. Et maintenant, je me retrouve dans leur catégorie. Et crois-moi, ceci n'est pas ta faute. Je veux dire, tu as été un très bon homme pour elle jusque-là. Elle n'a pas arrêté de te pousser à bout. Voyons Elle a eu ce qu'elle méritait, c'est tout Écoute, j'aurais dû me maîtriser J'aurais dû être en charge de, de mes émotions, hein Oh, Dieu Mais c'est arrivé, quand même Je pense qu'à présent, elle a bien pu apprendre de ses leçons Alors, fais pas cette tête, mec Oh, Dieu Où est cette stupide fille? Rita! Rita! Oui, madame! Viens. Madame, vous m'avez appelé. J'aimerais savoir tout est concernant. Tu es d'où? Qui sont tes parents? Donc tout. <laughs> madame, il n'y a rien de grave à propos de moi. Mes parents étaient morts lorsque j'étais en première euh, à l'université et à cause de cela je devais arrêter les études et depuis lors je fais différents travaux pour survivre et je suis l'unique enfant de mes défunts parents ah c'est vraiment pathétique Oh, différents types de travail tu veux parler de différents types de prostitution ah. et tu crois que tu peux ramener ça dans ma maison Écoute-moi, ça ne va pas du tout marcher chez moi. Ah Madame non Madame, n'ai jamais fait ce genre de travail dans ma vie. Ne vous inquiétez pas. Moi je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ce genre. tais toi, tais toi. Tu es un enfant de Dieu et mmh. moi un enfant de Lucifer. C'est ce que tu essaies d'insinuer Non. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu vois ces habits que tu as portés Attends. Pourquoi tu as appliqué le brillant à lèvres Pourquoi Je le disais, différents sorts de prostitutions allaient approche. Viens! Approche! Approche! Ne me stresse pas. Je n'aime pas le stress. Approche. Je dis approche. Madame. Hum. N'essaie plus jamais d'appliquer ça sur ton visage. Tu n'es pas venue ici pour un défilé de mode. Tu es une bonne. Et une bonne est à peu près comme une esclave. Ok? Insensé. À propos, ce que tu portes ne me plaît pas. Voilà pourquoi je t'ai apporté ceci. Je ne veux plus que tu mettes ce gens de tenue. Elles sont très belles. Mais. Tais-toi. Il n'y a rien de mal avec cette tenue. Donc, essaies-tu de dire que tu ne comprends pas ce que je dis Non, madame. Essaies-tu de dire que je ne suis pas intelligente Non, madame. Désolée. Mais tu et m'écoutes. Mmh. Eh ok. Tu travailles pour moi et pas pour une autre personne. Oui, madame. Ok. Ça, c'est ce que je veux que tu commences à porter. Écoute-moi bien. Tu portes ça aujourd'hui, tu laves ça demain. Tu portes l'autre demain, tu laves ça le lendemain. C'est comme ça que tu vas commencer à faire. Tu vas commencer à changer de tenue. Je ne veux pas que tu mettes quelque chose d'autre. Pas plus, pas moins. Je me suis fait comprendre. Mais madame, il n'y a rien de mal avec ma... Térie. Ferme ta bouche. Disparais de ma vue. Reviens ici. Ah, ça se voit que tu n'as pas reçu d'éducation. Tu es réellement une prostituée. Si tu étais instruit et que tu avais des bonnes manières, tu allais quand même dire merci madame. Sais-tu combien j'avais acheté ces robes Elles coûtent cher. Deux mille l'air à Jésus, que tes parents n'ont pas touché cette somme jusqu'à leur mort. Allez, vas-y. Merci, madame. Restons, dégage. Que de vous bénisse. Disparais vite. Voyez-moi cette prostituée sans éducation. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ma tenue Ici, ce n'est pas ta maison. Rita. Rita Monsieur Donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Ok, monsieur. Bébé, tu as soif. Oh, chérie. Allez, comment tu vas, dis-moi. Hein? Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi Qu'est-ce que tu essaies de faire Oh Tu essaies donc de faire ta scène de prostitution Tu crois que je ne le sais pas Tu me crois idiote Tu crois que je ne suis pas assez intelligente tu comprends, Gilles, tu je... ne, Arrête, arrête, arrête pour Quel est Marie. ton problème eh, Arrête de me demander ça Si tu es aveugle, je ne le suis pas Tu crois que je n'avais pas vu Elle était là avec la bouteille en train de secouer ses seins pour t'exciter. Comment Comment Tu n'avais pas vu comment elle bougeait ses seins Comment est-elle en train de me séduire Elle bougeait ses seins elle essayait de te servir comme ça, comme ça. Alors qu'est-ce que c'est Dis-moi, c'est quoi? Gina, tu as un autre mal. Attends! Quelle est ce genre de femme? Quelle est ce genre de femme? Donc, tu n'avais pas vu la manière dont elle t'est servie? Regarde, c'est comme ça qu'on sert des l'eau calmement, doucement. Mais elle, elle, se quoi dis Gina, quel genre de femme es-tu? Quel genre de femme? Gina, laisse-moi tranquille, je vais avoir la paix. Donc, tu veux que je laisse te ravir de moi? Pas question. Elle ne peut pas débarquer de nulle part et venir te voler. Allez, prends, bois. Merci, Gina. C'est incroyable. Après tout ce par quoi tu es passée dans cette maison, tu permets à cet homme d'amener encore une autre bonne. Prisca, que veux-tu que je fasse Je fais tout ce qui est humainement possible, mais mon mari refuse de changer d'avis. Je criais, j'ai hurlé, je fais tout, ma chère, tout. Oui. Tu dis que tu as tout fait? Es-tu sûre d'avoir tout fait? Écoute, il la défend ils la défendent parce qu'ils ont quelque chose en commun. Oui. Ne sois pas surprise d'entendre un jour que te disent que ta bonne devient ta coépouse. Que Dieu m'épargne. Presca, cette chose ne se fera jamais. Si jamais ça se fait, je vais la tuer. D'ailleurs, je la tuerai avant qu'elle ne le fasse. Dieu ne t'en épargnera que si tu fais l'essentiel. Mais cette fille hors de ta maison. Agis maintenant. Presca. Je suis confuse. Que dois-je faire maintenant ah, ah! Comment peux-tu être confuse, mon ami Comment peux-tu être confuse à ce point, hein Mon ami, mets cette fille hors de ta maison. Si ton mari insiste, fais tes bagages, sors de sa maison calmement. C'est de cette façon qu'il comprendra. Tu ne peux continuer comme ça. Non, assez, assez. Ah. Non, franchement, ça devient de trop. Presque, tu as raison. Ah, j'ai toujours eu raison, mon ami. J'ai toujours eu raison. Oh. Je ne peux plus rester dans cette situation. Non. Non. Merci. Merci. Ifani, c'est à toi que je parle. Comment est-ce que tu peux me tourner les dos Écoute, écoute, écoute. Si tu veux la paix dans cette maison, cette fille doit partir. Rita doit quitter cette maison aujourd'hui. Je n'ai pas compris. Une marmite qui taxe du noir une bouilloire. Une femme paresseuse insultant une fille laborieuse. Ta chère prostituée doit quitter cette maison aujourd'hui. Elle doit partir. Et rien ne me fera changer d'avis. Je dis qu'elle ne va nulle part. J'ai dit qu'elle doit partir. Oh, tu crois que je ne sais pas Tu crois que je serais aussi naïve pour reconnaître que tu avais ramené ta prostituée à la maison sous prétexte des bonnes Je ne suis pas surpris. Gina, tu es devenue malade. Tu as complètement perdu la raison, Gina. Vraiment Ifani. Tu es un chèvre. Tu es un fou. Tu es stupide. Tu es insensé. Tu oses utiliser ces trous à rats que tu appelles bouche pour me traiter de folle Pas de problème. Je vais te montrer comment on se comportent les fous. Cette fille doit quitter la maison aujourd'hui. Sinon, je vais tout tu détruire. Je ne peux rien détruire. C'est ma maison ici et je décide qui et est Et C'est aussi ma maison. Je ne blague pas. Et j'ai le droit de décider qui payé va pour y tout rester. ce qui est dans cette maison. J'ai payé pour tout. Et alors quoi Gina, ton mâche Gina. Et après quoi et après quoi, Yvonne Alors qu'est-ce que ça fait si tu achètes tout dans la maison? Oh, mais voyez-moi ce gros bébé, t'inquiète, je vais de toi de comme les gamins que tu es. Mais cette fille doit quitter la maison aujourd'hui! Bêtise! Rita! Ne me tente pas, ne me tente pas, Gina! Rita! Gina! Mais allez, Rita. Christophe, je t'ai bien dit d'arrêter de pleurer. Nous n'avons qu'à supporter tout ça parce qu'on n'a même pas le choix. Comment? Tu n'as même pas où tu peux aller, alors il faut juste la supporter. Pendant combien de temps Dis-moi. Pendant combien de temps dois-je continuer à vivre ainsi à, à tout moment, elle me frappe, elle me maltraite. C'est bon. C'est bon, Rita, calme-toi. Je ne saurais plus supporter. Bravo! Donc, mon mari ne te suffit pas. Donc, ton plan était de venir dans ma maison, coucher avec mon mari et aussi avec le portier. Non, madame. Tais-toi. Est-ce que cette cuisine, par hasard, ressemble à un lieu de rendez-vous pour vous? Madame, ce n'est pas ce que vous pensez. Que vous... On est où, juste -vous, -vous. <laughs> à vous taisez-vous, à chez nous. Non, madame. Non, madame. Non, <laughs> Alors, pourquoi vous embrassez et vous amourachez dans ma cuisine? Ah! ah. ah madame bonnet. On n'a ah, pas vu ça, madame! Hé, hey, madame, non! C'est pas vrai, que madame! Madame, pardon! Madame, pardon! Madame, pardon! Madame, est Est vous... Madame, Qu'est-ce qu qui se passe ici? Ah. Désolée, madame! Autrement, ah, autrement! Ça va, ça va, levez-vous! Levez-vous! Ah. Tu utilises la spatule sur les gens! Les êtres humains? Ils sont de chèvres! Tu es en train de crier sans pourtant me demander qu'est-ce qui s'est passé. Si tu veux le savoir, je les ai attrapés en train de s'embrasser. Et alors, si c'était mon fils et Ken qui les avait vus Imagine la suite. Et si c'était mon fils qui les avait vus Est-ce que c'est bien Bêtise. Je ne veux plus accepter des bêtises dans ma maison. Plus question. Bande des idiots. Hey! Fanny, est-ce que ça va? Ah, ah. Quel est le problème avec toi? Es-tu malade? Anthony, ça aurait été mieux si j'étais malade. Ma femme est devenue complètement folle. Je sais très bien que rien ne va jamais avec elle. Mais euh, est-ce bien pire que ça? Mon frère, la paix dans ma maison est morte. Je ne sais même pas ce qui se passe. Hey. Bon, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Si je te disais que je sais quelque chose à faire, je serais un grand menteur. Je suis si confus, mon frère. Hey

Hey, où est-ce que tu vas? Tu vas bien! Lâche mon mari! Allez, laisse mon mari! Idiote, laisse mon mari! Elle doit partir! Mais ton... arrête avec ses larmes de crocodile! Arrête avec ses larmes de crocodile! Va dans ta chambre! Lâche mon mari, idiote! Pourquoi? On t'est mon mari! Allez, où est-ce que tu vas? Reviens! Viens prendre tes babouches! Viens prendre ça! Vite! Oh, stupide fille! Papa, Dieu merci, que tu es ici! oh Parce que maman était presque sur le point de tuer cette fille! Tina, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est ton problème, Gina? Pourquoi transformes-tu cette fille en un sac de frappe? Qu'est-ce que. Ne cherche pas à ce que je commette un meurtre. Demande gentiment à ta chienne enragée, à ton rat des égouts, à ta psychopathe, à ta soi-disant bonne de quitter ma maison. Je ne veux plus tolérer ça. Fanny je ne veux plus Fou. tolérer ce genre de bêtises. Elle doit partir. Personne ne tue personne et elle ne va nulle part. Tu veux tester ma patience? Je vais tuer cette fille <laughs> et aller en prison. Je vais la tuer si tu prends la légèreté. Tu légère pas ça. C'est toi qui mets ma patience à l'épreuve si tu ne le sais pas. Vraiment Sérieux Écoute, laisse-moi te dire. Ne crois pas que je ne suis pas au courant de ce que tu fais. Je le suis. Je sais bien ce que tu fais. Depuis le jour où tu l'avais ramenée dans notre maison, je savais qui elle était. Je savais très bien qu'elle était ta pétasse, ta prostituée. Assez, cette folie doit s'arrêter. Elle doit partir d'ici. Tout le temps, maîtresse, maîtresse, maîtresse. C'est clair comme si tu allais faire écouler tout l'univers. Qu'y a-t-il, Gina Demande-lui de prendre ses affaires et de s'en aller. Si tu cherches à savoir ce qui ne tourne pas chez moi, laisse-la passer encore une semaine dans cette maison. Je, je vais me rassurer de brûler cette maison. Tu ne feras pas ça. Dis à ton papa qu'il demande à cette fille de partir. Ose l'essayer. Maman, elle n'a rien fait du tout. Ose l'essayer. Qu'est-ce que tu dis Écoute, ton fils te dit la vérité. Oh, donc tu veux devenir stupide comme ton père. La vérité tel est père amère. Tel fils. La vérité est amère. Tiens, encore vrai. et moi, et tu verras. Ce n'est pas vrai. Elle n'a rien fait du tout, C'est que ça qui cherchait des problèmes. C'est comme ça que tu vas Va à l'intérieur. Tel père, tel fils. Hey. Foutez. Elle doit quitter ma maison. Gina. Elle doit partir d'ici. Gina. Elle doit s'en aller. Elle doit s'en aller. N'importe quoi. Vous testez ma patience dans cette maison. Rita. Pourquoi tu pleures toujours? Ça va, non, arrête de pleurer. Qu'est-ce que je fais de mal à madame? Pourquoi est-ce qu'elle me déteste énormément? Il n'y a rien que je fais qui la rend heureuse. Et pourtant, j'ai toujours été respectueuse à son égard. Elle me traite toujours méchamment. Désolée, <laughs> désolée. Je suis désolée pour tout. Arrête de pleurer. OK. <laughs> C'est toujours la souffrance. <laughs> Si seulement mes parents étaient encore en vie, si seulement ils étaient en vie, je ne pouvais pas vivre cette... Non, 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 ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ça va aller, ça va. Je suis désolé pour tout ce que tu traverses dans cette maison. Je promets que je vais pouvoir laisser te battre. Je promets. Désolé, désolé. Désolée. Je ne lui ai rien fait. Oh, ça mal. va, ça va. Hé! Hey je vous ai attrapé Donc c'est comme ça Donc c'est comme ça Est-ce que je monté Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre Donc c'est comme ça Tu es là en train de faire semblant de pleurer tes parents qui sont morts plus de vingt années passées juste pour que mon mari puisse te caresser et te toucher C'est ça, n'est-ce pas Je ne suis pas fatiguée Je ne suis pas fatigué je ne vais pas laisser cette chienne voler, mon mari Es-tu fatigué de la toucher Es-tu fatigué euh... de la caresser Dis-moi, es-tu fatigué Écoute, cette fille doit s'en aller Oh Je le savais Je vous ai attrapé Tu étais là en train de la toucher et de la caresser Tu n'as pas honte de toi ah. Pourquoi es-tu quand même bouc? Ah, ah, Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Je sais que tu es fort Mais est-ce que tu as voulu aller au point où tu n'as plus de tranquillité dans ton esprit Je sais que tu es un animal j'ai toujours su que tu étais un un infidèle. Mais je ne savais pas que tu veux arriver jusqu'au point de ramener tes nombreuses maîtresses, tes pétasses à la maison. Tant autre et toi, conjugal, sous prétexte de bonne. C'est quoi cette histoire de petite amie et maîtresse, Gina Ifani, elle doit partir d'ici. Sinon, je mettrai cette maison en feu. Je vais P tout brûler. faire Oh, tu me demandes ce que je ferai Tu veux savoir ce que je ferai Oh Dieu Tu ne peux pas, ne peux pas faire chose pareille. Vraiment Tu veux savoir ce que je ferai ah. Pas de problème. Si tu veux quitter cette maison, fais-moi passer. Et hey, toi, Rita! Si tu touches la fille là encore? Pourquoi tu ne veux pas quitter ma maison? Pars de chez moi, va-t'en! Ne la touche pas, oh! Ne touche pas cette fille! Aucune femme n'aimerait vivre ça! Quoi? Presque j'en peux plus, je dois quitter cette maison. Oui. Je ne saurais plus supporter ça. Presque, je suis fatiguée émotionnellement, j'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Mon ami, que vas-tu faire dans ce cas J'ai l'intention de quitter cette maison. Oui, je ne peux plus continuer comme ça. Je dois partir. Elle l'a dit aussi. Elle veut quitter son foyer. Cette femme, franchement, elle est folle. Elle est juste incroyable. Je dois partir. Je ne connais même pas le projet de cette fille. Je ne sais probablement pas ce qu'elle a derrière la tête. Je dois partir pour ma sécurité. Écoute, mon ami, aussi dur que cela peut paraître, sache que tu es sur la bonne voie. Fais-moi confiance. Aucune femme ne saura supporter ce que tu endures. Hmm. Tu es forte pour vivre cette situation jusqu'ici. Moi, je ne saurais pas. Je ne sais pas pourquoi les hommes sont si méchants. Comment il ne peut pas être en mesure d'apprécier les dons de Dieu que tu es? Hein? T'es une bénédiction! Écoute, si je vivrais la même situation que toi, je ferais mes bagages tranquillement pour partir puisque je ne supporte pas de problèmes. Oui, tu sais sincèrement, ça me dérange. Ça me frustre comme pas possible. Je réalise ta peine, sérieusement. Non, pas jusqu'à ce point. Je suis triste. Oh! Courage, mon ami. T'es forte. Qu'ai-je fait pour mériter une telle femme comme épouse? Ne suis-je pas gentil envers elle? Ne suis-je pas une bonne personne? Oh Dieu, Dieu, c'est quoi tout ceci? Pourquoi ne puis-je pas avoir la paix dans ma maison? Qui est là? Ah ah. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais vous supplier pour quelque chose. Vas-y, tu n'as pas besoin de pleurer avant de me supplier. Qu'y a-t-il? Monsieur, s'il vous plaît, ah. s'il vous s'il vous plaît, laissez-moi partir, laissez-moi m'en aller. C'est vraiment très clair que ma présence ne plaît pas à madame. Et je ne peux pas supporter que je sois la cause de tous ces troubles, de tous ces drames qui se passent dans cette. Écoute, ces... écoute sont... tu ne comprends pas. Je suis, vous plaît. Ce n'est pas de ta faute. Tu fais ton travail diligemment. Tu n'es la cause de quoi que ce soit. Ma femme est une fauteuse de troubles. Tu ne comprends pas. Ça, c'est de ma faute. C'est vraiment de ma faute, je le sais. Laissez-moi partir. Je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous viviez en paix ici. Laissez-moi m'en si aller. Je n'aurai toujours pas la paix. Si tu t'en vas, je recommencerai mes devoirs dans la cuisine. Je recommencerai à cuisiner, à laver les assiettes et les casseroles. Tu ne comprends pas. C'est de ma faute. C'est de ça ma va, faute. Ça va, ça va, ça va. Lève-toi, lève-toi. Tu n'as pas besoin monsieur, de t'agiter. Laisse-moi, mon. Lève -toi. lève toi Je vous en prie, monsieur. Ça va, ça va, ça va aller, ça va. Arrête, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Ça va, ça va, ça va, ça va aller. Ok. Euh, il était tombé. Il était tombé, alors pourquoi ne s'était-il pas relevé? Euh, en réalité. Nacho. Oui, monsieur. Ah. Où est-ce que tu vas avec cette valise? Je l'amène là-bas pour madame. Pourquoi? Je te disais quelque chose. Tu vois, euh... Euh, Je m'en vais. Mais pourquoi, maman Tu t'en vas Oui, mon chéri. Mais maman, pourquoi Écoute, mon garçon Je dois laisser à ton prostitué de père le temps de s'amuser et se réjouir avec sa prostituée, sa pétasse, sa Mais... bonne. Mon chéri, ton père ne connaît pas ma valeur. Ok Bébé, cet animal assis derrière toi ne me mérite pas. Ta maman est une reine. Mais et moi alors maman T'inquiète pas chérie, je viendrai de temps à autre te rendre visite, ok D'accord Pas bah, Maman s'en va. Ne vas-tu pas lui demander d'arrêter Que veux-tu que je dise Si elle veut partir, la porte est ouverte c'est un bouc. C'est comme ça que les animaux se comportent. Je ne veux pas que tu deviennes comme lui, chérie. Alors, va dans ta chambre et sois heureux. N'oublie pas que maman t'aime beaucoup. Ok? Euh, ok. Je t'aime aussi, va maman. Va dans ta chambre. Dans ta chambre, bébé. Allez. Va jouer, chérie. Maman t'aime beaucoup. Écoute, je viendrai te rendre visite demain. Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je t'aime, okay. maman. Dans ta chambre. Papa! Dans ta chambre et pas dans la cuisine. C'est par là. Ah, ok, ça c'est mon garçon. Ifani, je m'en vais. Quand tu réaliseras enfin ma valeur, tu sauras où me trouver. Nacho? Gina, es-tu malade Est-ce que ta tête fonctionne bien Pourquoi tu as fait sortir tes effets de la maison de ton mari Maman, je crois que c'est clair que ta fille a perdu la tête. Elle est totalement folle, maman. C'est le comble. Ton mari ne t'a même pas demandé de partir et pourtant tu as fait tes valises pour quitter le domicile conjugal. Mais qui a déjà fait ça En fait, qu'est-ce qui t'arrive je ne peux pas rester avec un infidèle. Je ne peux pas rester avec un menteur. Mon mari me trompe avec une autre et cela blesse mon cœur. Je ne suis quand même pas une poubelle pour tout accepter. Il me trompe, j'accepte. L'infidélité, j'accepte. Il y a une limite à tout. Je suis une femme et je mérite le bonheur. C'est pour ça que tu as abandonné ton fils C'est quelle femme qui a déjà abandonné son enfant et elle trouve ça normal Qui est donc cette femme C'est seulement une femme irresponsable. Tu peux faire ce que tu viens de faire. Oh Dieu, mmh. tourne le dos au ciel, honteux pour toi. Tu viens de déshonorer Dieu et l'humanité. Dieu a de la peine et ressent la honte à cause de toi. Parce que tu es pauvre et stupide jusqu'à ton âge. N'est-ce pas que tu devais avoir des enfants et être chez toi en ce moment Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps pour ça. Je suis venue ici pour me reposer. J'ai besoin de paix, ok Je n'apprécie pas ce que vous faites. Mon mari me trompe. Et cela, et cela, dans notre maison. Une autre lit conjugale, n'est-ce une abomination? Et vous êtes en train de raconter du n'importe quoi. S'il vous plaît, je besoin de paix. Bah, Gina. Maman, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, Gina. Gina, lorsque c'est que tu construis sera gâté, tu sauras ce qui va t'arriver. Et ne pleure pas. Tu es averti. Ne pleure pas. Je le répète encore, ne pleure pas, je te dis. Ça va, maman, ça va. Elle mange même une pomme. Elle a encore cet appétit. De manger une pomme. Elle est déjà vertée. J'ai déjà tout parlé. Nous serons là pour... Je regarder. ne comprends pas ce qui arrive à cette fille, yo. Pas du tout. Oh chérie. Euh, bébé, tu vas bien? <laughs> oui. Euh, euh, bébé Oui Sais-tu que Gina a enfin emballé ses affaires et a quitté Ifani Et elle a même abandonné son fils, Ikenna. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Quoi Jésus-Christ Quel est ce démon qui contrôle la vie de Gina hein? Quelle est cette femme qui peut faire ses bagages et sortir de la maison de son mari D'elle-même, qui veut faire ça? Euh, bébé, écoute, je sais que ça peut vraiment être mauvais. Je crois que c'est la meilleure des choses qui puissent arriver à Ifagne, qu'il connaisse enfin la paix mentale pour une fois. Ce n'est pas comme ça que le mariage marche. Regarde-nous, nous avons la paix. C'est parce que nous avons confiance l'un à l'autre. Tu m'aimes, je t'aime. Nous n'avons jamais eu une tierce personne pour venir traiter nos différends. Nous nous gérons nous-mêmes. Personne ne vient nous donner des injections. C'est ce qui solidifie notre amour. Uh -huh. Exactement. Oui, c'est ça. Ah Gina, Gina n'est rien d'autre à part une grosse folle. Tu as dit folle? Je te dis hein ce qui est vrai. Non. Gina, sa folie a la dimension d'une parcelle. Gina a une folie extrême. Franchement, franchement, je ne comprends vraiment pas cette fille. Quel, mais quel genre de femme est-elle exactement? Hum. Hum. Et tu dis qu'elle est ton oh, amie non, 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 chérie, elle a été mon amie. À son temps, quand elle pouvait réfléchir. Maintenant, elle n'est pas mon amie. Non, elle n'est pas être mon amie. Nous nous saluons juste, tu euh, sais, par gentillesse. Non. Nous nous sommes remis après beaucoup de temps. Il est vrai qu'avant, on était amis, mais pas pour l'instant. Non. Je ne peux pas avoir sérieux. une amie comme elle. Y a-t-il encore Pourquoi tu pleures Je ne me sens pas du tout bien. Je me sens une personne très terrible. Oh, gars, c'est de ma faute. C'est à cause de moi que Madame est partie. C'était pas à cause de toi, Rita. <laughs> tu ne l'as cause de quoi que ce soit. J'ai épousé un couteau et non une femme. Elle avait rendu cette maison infernale pour moi. Et maintenant qu'elle est partie, je peux avoir la paix. Non, c'est de ma faute. Je me blâme pour tout ce qui s'est passé. Si je n'étais pas venue dans cette maison, tout, tout ceci n'allait pas arriver. Non, ça écoute. <laughs> Tu ne connais rien de ce que je, je traversais dans cette maison je... ne te reproche de quoi que ce soit elle a eu ce qu'elle mérite non c'est de ma faute si je n'étais pas venu dans cette maison, tu sais n'es pas si... une mauvaise personne, Ça tu est... n'es pas une mauvaise personne, arrête de pleurer, cesse de pleurer d'accord, cesse de pleurer, cesse de pleurer. Ça va. Non, euh, non, je suis une mauvaise personne. Je ne mérite pas. Euh, non. Tu n'es pas une mauvaise personne, Rita. <coughs> 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 you be number one eh. N'est jamais venu ici te rendre visite. Est-ce que je n'ai jamais dit à Reprise que mon mari, Ifani, est très méchant? Il est terrible. Il n'est pas venu, il n'a pas appelé, il n'a pas bipé, même pas un petit message. Oui, ah. ça, c'est le genre d'homme avec qui je me suis mariée. Comment un homme peut préférer sa bonne à la place de sa femme? Qui fait ça? Tu veux parler de celui-là? Mon mari est un véritable vaurien. C'est pour ça que je suis revenue pour le laisser tranquillement se réjouir avec sa nouvelle petite amie. Ah! wow. Tu sais, la plupart d'hommes sont très compliqués, mon ami. Mais, t'es chanceuse. Dieu t'a béni avec un bon mari. Ma chère, mon mari est un véritable idiot. Je ne repartirai pas dans cette maison sans qu'il vienne jusqu'ici s'agenuer et me demander pardon comme il se doit. Imaginez cette folle. Elle s'attend à ce que son mari vienne jusqu'ici lui demander pardon s'ingénuant. Tu comprends moi, ah, de quoi je parle? Ah, ah c'est ça à quoi je pense. Reste chez maman. Il doit venir jusqu'ici te demander pardon. Pas seulement me supplier. Il doit venir jusqu'ici s'ingénuer pour te demander mon pardon. Je te soutiens. Pas seulement me supplier. Il doit acheter une nouvelle voiture. Tu as mon soutien. Je le mérite. C'est pour ça que je t'aime. Tu as totalement raison. Oui. Mm -hmm. uh -huh. Pour se faire pardonner. Oui. N'est-ce pas que je l'ai attrapé de, 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 de mes propres yeux? T as raison. Ah. Huh. <laughs> Je sais qu'il me trompe. Hey! Il est très malin. Bienvenue, belle-mère. Merci énormément. Je crois que tu sais pourquoi -ce que je suis ici. Je n'ai pas beaucoup de temps ici. Je n'ai fait aucun tort à ta fille. Je lui ai été le meilleur mari. Pourtant, elle a décidé de rendre ma vie misérable. Je sais ce que tu vis. Je comprends très bien. Mais je suis ici comme une mère qui cherche la paix. S'il te plaît, Iphagne, je te supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse Gina revenir. Belle-mère, laisse-moi te poser une question. Est-ce que Gina t'a dit que je lui ai demandé de quitter ma maison? Non! Elle n'a pas dit telle chose. Elle m'avait dit qu'elle avait quitté elle-même. Alors, j'étais juste choquée. Voilà pourquoi je suis Bien. venue. Je n'ai jamais demandé à Gina de quitter ma maison, mais elle a quitté. Donc, quand elle veut revenir à la maison, elle est libre. Mais ce sera sur des conditions. Laquelle Bien. Elle doit se repentir de ses mauvais caractères. Et elle m'assurera par écrit que jamais... Ça ne se répétera plus dans cette maison. Juste ça. Je m'attendais à une condition très étrange. Tu n'as toujours pas changé en cet homme parfait que tu es. Je t'avais donné ma fille. Merci énormément. Que Dieu te bénisse. Je veux me rassurer que cette condition soit vraiment bien respectée. Dès que j'obtiens son assurance par écrit, elle peut revenir. Il n'y a pas de problème. Ah, je lui dirai. Merci. Ifani est un homme bon. Il n'a rien contre toi. Il a donné une condition très simple pour toi. Laquelle Que tu te répandes de tous tes péchés. Et que tu dises que tu ne vas plus revenir à tes bêtises. Et qu'est-ce qui est que amusant dans ce que maman vient de dire là Ton état financier. Ah, oh, ok. J'aurais d'ailleurs souhaité qu'il puisse endurcir son cœur et t'oublier. Ce monsieur est tellement bon qu'il ne te mérite même pas. Même la pauvreté ne te mérite pas. Maman. Premièrement. Je ne t'ai jamais demandé, j'ai dit bien jamais demandé de te rendre chez Fanny. Je ne t'ai jamais demandé de les supplier pour qu'ils puissent me reprendre. D'ailleurs, écoutez-moi, écoutez-moi très bien vous tous, avant que vous ne commenciez à boire comme des chiens ragés. Je ne repartirai pas dans cette maison. Il doit venir jusqu'ici s'ingénuer, pour me demander pardon. Oui, c'est lui qui m'a fait du mal, c'est lui qui m'a trompé. Il ne peut pas me tromper et que c'est moi qui demande pardon. Ou écrire une lettre, il va demander peut-être plus tard d'aller la déposer à la BBC. Gina, qui joue cette musique pour toi hmm? Qui joue exactement cette musique pour toi Écoute, laisse-moi te dire, chaque enfant qui refuse les conseils de ses ennemis sera définitivement détruit. Maman, oublie le proverbe et les adages. Moi aussi, j'ai donné ma condition, s'il est d'accord. Gina, ne néglige pas cette opportunité. Moi, je te parlais comme ton frère aîné. C'est ça mon conseil. Un pauvre ne donne pas de conseils aux riches. Si tu avais un peu de gichotte, tu allais le savoir. Je ne te plains pas. Je peux être pauvre, mais mon conseil est très riche. Oh, garde-le, s'il te plaît. Vous deux, parlez à votre soeur. Dites-lui quelque chose. Maman, nous ne pouvons pas faire mieux que Donnez ça. Donnez-lui des conseils. De notre mieux. La dernière fois où j'ai essayé de lui donner un conseil devant toi, elle m'a giflé. Tu nous as surpris par ta visite. Pouvons-nous chercher quelque chose à boire? Ne vous dérangez pas. Je suis là pour un problème très important et je veux le résoudre. Qu'est-ce que c'est? Je veux que la dot que j'ai payée pour Gina me soit restituée. Hum. Euh... Ah Ah, bon? oh. 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 enfin. C'est exactement la paire que j'avais. Je prie que ceci n'arrive pas. C'est arrivé jusqu'à ce point. Je dois avancer dans ma vie. Je ne peux pas être attaché par une femme qui est si impitoyable et insensible au point d'abandonner son foyer et son enfant unique. Ça fait déjà trois mois. Ça c'est la mauvaise période de ma vie. Il n'y a-t-il pas un autre moyen? Dont nous pouvons essayer de vous maman, réconcilier. Maman, maman, s'il te plaît, arrête ça. Avec tout le respect que je te dois, arrête ça. S'il y a un moyen pour réconcilier qui est qui, qu'est-ce que tu essaies de faire Non, dis-moi. Ifani, c'est à Ifani que tu es en train de parler Tu essaies de le supplier pour voir s'il va accepter de me répondre dans sa maison Non, je ne vais pas souscrire à cette offre. Et quant à toi, Ifani, tu me fais marier. Dans ces millénaires au 21e siècle, tu... Oh, je ne savais pas que tu étais aussi naïf. Tu as fait tous ces voyages, tous ces trajets pour venir réclamer l'argent que tu avais payé pour la dot. Si tu étais intelligent, tu allais appeler et passer ton numéro de compte pour recevoir le transfert. Ah, mais tu ne l'es pas. Alors, combien est-ce que tu avais dépensé? C'est encore combien? 500? 1000? Ok. 1000? Je serai très gentil avec toi, je te donne mille. Oh non, que j'ajoute 3. Allez, prends. Même si je dois le prendre, ce n'est pas de toi. Même dans ta perdition, tu es toujours arrogante. Gina! Je comprends que tu en veux plus. Allez, prends ton argent. Ramasse-le, ok? Prends. Excusez-moi. Hey. Regarde ta fille. <laughs> maintenant, je peux dire que je suis encore vivant. Tu ne sais même pas le genre de paix et de joie que j'ai maintenant. <laughs> je ne peux même pas commencer à les quantifier. Ifani, je suis très très content pour toi. Dieu merci pour ce nouvel air frais qu'il nous donne. Ouais, c'est bon d'épouser une bonne femme comme la tienne. Maintenant, je peux te dire catégoriquement que j'ai envoyé la femme que Dieu m'a envoyée. Gina n'était qu'un démon envoyé pour détruire ma vie. Laisse-moi juste te prévenir. N'essaie plus jamais de commettre cette erreur que tu as commise dans mm, mm, le passé. Mm, 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 mm. Plus jamais! <laughs> <laughs> Et malheureusement, mon mariage à moi est sur le point de finir aujourd'hui. Ah, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire Tu as un foyer très paisible. Qu'y a-t-il Ou bien c'est le fait que vous n'avez pas encore d'enfant Mon cher frère, j'ai profité d'absolument chaque moment que j'ai eu à passer avec cette fille. Mais crois-moi, ne pas avoir d'enfant n'est vraiment pas le problème. J'étais en train de vivre avec le diable en personne. La même démon qui a participé à la destruction de ton foyer. Qu'est-ce que tu veux dire J'ai d'ailleurs honte de pouvoir parler de tout ceci. Ma femme Prisca était celle qui était en train de pousser et de créer cette guerre qu'il y a eu dans ta maison. J'ai découvert qu'elle qu était celle qui était derrière tout ce que Junaï a fait chez toi. Wow, 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 wow. Ça brise le cœur et à triste. Oh mais écoute, elle n'a jamais mis du pistolet sur la tête de Gina. Gina n'est simplement qu'une idiote. Voilà le démon avec lequel j'ai vécu pendant tout ce temps. Priska n'a pas cessé de jouer les jeux intelligemment, pensant que personne ne le découvrirait jamais. Évidemment, Dieu n'a pas voulu qu'elle garde ne serait-ce qu'un enfant dans son ventre. Hey. wow. 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 Ce monde est vraiment mystérieux. Oh. Chérie Sors chéri, chéri, de ma maison Va-t'en chez moi s'il te plaît Bébé chéri, Bébé qu'est-ce que tu me fais non, non Patrick hey, S'il te plaît Patrick hey, S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je te fais de mal Monsieur, hey, mets-moi cette sienne dehors Ne me chasse pas de ta maison, ne me chasse pas de Je ne te veux plus te voir ici Va-t'en, moi je ne veux plus te voir ici Arrête de me supplier. Ini, As Laisse -moi As assez. Laisse-moi t'expliquer. Assez, c'est assez. Laisse-moi te faire comprendre. Non, on même de 2000. Je ne veux plus de toi ici. Va-t'en d'ici. S'il te plaît, mon amour. Va-t'en d'ici. S'il te plaît. Où est ta maison Va-t'en de moi. S'il te plaît. Ta maison, c'est dehors. Va-t'en de moi. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Chérie, tu me bris Patrick, ouvre ce portail et mets-moi tout ceci dehors. Tu peux t'expliquer. Pardonne-moi! Non! Non! Ce n'était pas intentionnel! Je ne veux pas l'avoir laissé. Jette-moi tout ça dehors et reviens à l'intérieur. Arrête! Ne ferme pas ce portail! Laisse. Arrête! Ne ferme pas ce portail! Laisse-le Laisse montrer! Non, sérieux! Verrouille le portail! Ah.

C'est ta patronne! Ouvre! Quelle madame? Hé, hey, hé, hey, non, non, non! Hein? Où vas-tu comme ça? Hein? Hein Ancienne patron, hein? Où vas-tu comme ça? Nacho! Hein? Pourquoi tu m'épouses comme ça? Hein? Hum. Ok, Nacho, je suis venue voir mon mari et mon fils. Désolé, je ne peux pas te laisser entrer. Les pourquoi? patrons ne veulent pas que tu entres ici. Moi? Mais ça, c'est ma maison, non? Quelle maison? Madame, j'ai bien Cette dit! Ma maison est à moi et je vais Il voir mon mari et Il y a mon déjà une nouvelle patronne fils. ici, donc Nacho? tu ne peux pas. Oui, oui, madame! Qui se trouve là au portail Oui madame, c'est l'ancienne madame. Oh. Ma maman, s'il te plaît laisse la entrer maintenant. Mon fils. Hé, Ikena. Maman. Oh. mon fils. Maman, tu m'as manqué. Oh. Tu me manques aussi. Oh, Désolée. T'inquiète, je suis là maintenant. maison. J'attendais que ton père vienne me demander pardon. Mais maintenant, je suis revenue. Ok, maman. Ok. Hey, je suis là. Que fais-tu ici? Hey, hey, oh, S'il te oh plaît. S'il te plaît. Distanciation sociale. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Rita. Mon mari. Je suis désolée. Je sais que je foirai. Tout ça est de ma faute. J'étais trompée. Je suis désolée. S'il te plaît, je t'en prie. Pour l'amour du ciel, pardonne-moi. J'ai promis d'être une écoute, bonne femme. Écoute, écoute, écoute. Je suis désolée. Je te promets de ne plus jamais te le plaît, faire. Écoute. Je ne sais pas si tu es venu ici pour jouer du film, mais sache que cet endroit n'est pas la reine de Nollywood, s'il te plaît. Non, j'ai réalisé mes erreurs, s'il te plaît. J'ai promis de te donner la paix, je ne veux plus me disputer avec toi. Je ferai la cuisine pour toi, je vais laver tes habits, repasser tes habits. D'ailleurs, j'irai trouver un travail pour t'aider avec de l'argent, je t'en prie, pardonne-moi. C'est non bon, je n'ai pas envie de te perdre à cause de ma stupidité et de mon orgueil, je t'en prie. S'il te plaît. Ne m'énerve pas. Mon mari, s'il te plaît, ne te laisse pas avoir peur par cette prostituée, s'il te plaît. Écoute, je savais que ton arrogance ne te laisserait pas, mais je veux que tu saches que je n'ai plus rien à faire avec toi. Comme tu le vois, je suis en paix avec mon bijou d'inestimable valeur et mon fils aussi est en paix avec elle. Donc, quand tu auras fini le film, prends ton équipe et allez-vous-en. J'ai changé. S'il te plaît, j'ai réalisé mes erreurs. Je t'en prie, mon fils, parle à ton père. S'il te plaît, Papa, chérie, pardonne-moi. Pardonne plus, cette maman. prostituée, je t'en prie. Pourquoi tu peux? Qui... veux tu t'en aller avec elle? On entre. Euh, Nacho. Euh, oui, monsieur. S'il te plaît, tu sais que je n'ai jamais eu de problème avec toi. Jamais, maintenant. Monsieur. Écoute attentivement. Chaque fois que tu vois un visage qui ressemble à celui-ci proche de mon portail, jette-le. Oui, c'est compris, monsieur. Oui, monsieur. Hey, hey, mon hey, 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 S'il te, plaît, hey, hey. te plaît. Hey, hey. Rassure-toi de bien fermer le portail. Oui, madame, je le ferai. Euh, oui, madame. Enceinte patron, s'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas des problèmes, s'il te plaît. Va-t'en. Tu veux que je perde mon travail Ok, tu veux rester ici, n'est-ce pas Ok, reste là. Reste là. Des fois, passe cette porte Je ne veux pas entendre un son. Uh -huh. Reste là. Quand tu te fatigues, tu pars. Hey Qu'est-ce que je me suis fait Qu'est-ce qui m'est arrivé Qu'est-ce que je suis fait, mon Dieu Qu'est-ce que je suis fait Oh, mon Dieu S'il te plaît Mon mari, je t'en prie, pardonne-moi Nadja Nadja, c'est ta madame, oh C'est ta patronne Il faut ici, s'il te plaît Ok, j'accepte, je serai ta deuxième femme Elle peut rester, mais juste vivons en paix et Je ne vais pas te perdre, s'il te plaît je suis désolée, J'suis désolée, Yvagne, s'il te plaît, je t'aime, je t'en prie, pardonne-moi, pardonne-moi, Yvagne, Nadja, ouvre la porte, je suis désolée, désolée, j'accepte, j'accepte d'être ta deuxième femme, je l'accepte, pas de problème, ça va. Eh hey, mon Dieu, oh, Seigneur ah, oh, je t'en prie, pardonne-moi, pardonne-moi, pitié, ne me rejette pas. Oh mon Dieu, tu es foutu. Hey, l'orgueil n'est pas bien, l'orgueil n'est pas bien. Et hey, je me réponds. Je donne ma vie en Christ. Épouse ouvre. Je donne ma vie en Christ. Hey.